Chers petits observateurs, nous sommes au Salon de l'Automobile à Bruxelles et on va vous faire découvrir des petits bonbons, des petites surprises. Et l'une des premières voitures qu'on avait envie de découvrir avec Julien, c'est l'Octavia, la nouvelle. On avait vu les photos et ça fait un moment qu'on vous dit que Skoda a la main. Ben, quand vous voyez l'Octavia, vous dites ouais, c'est pas qu'ils ont la main, c'est qu'ils ont carrément tout le jeu de cartes, quoi. Vous avez l'impression de voir une superbe, en mieux, en plus sculpté, ils tiennent leur design, et franchement, bah c'est très appétissant. Et on a eu la même remarque avec Julien, quand vous ouvrez la porte, vous vous dites, ah d'accord, il s'est passé quelque chose, quoi. Par rapport à tout l'environnement du groupe VAG, les Audi, les Volkswagen, etc., j'ai l'impression que Skoda fait plus fort. Est-ce que tu vois, par exemple, les petites stries dans la contreporte ? Il y en a partout, même là, sur le tableau de bord, il y a des trucs comme ça. Et alors moi, du haut de mon grand âge, le fait de voir... Tu veux te mettre à côté de moi ? Peut-être que ce soit beige, déjà. Mais oui, beige. Non, mais souvenez-vous, dans les premières R25, il y avait une sorte de suédine sur le tableau de bord. Si tu veux, je te mets de l'autre côté, il faut montrer. Mais ça me fascine qu'il y ait ça. Là, le volant où ils ont coupé en dessous, il n'y a pas de... l'impression que ça flotte. Non mais regarde, c'est les détails. Mais c'est hyper joli, quoi. Non mais, Skoda est en train... En plus, la marque marche très très bien. Mais ils dépassent Volkswagen. J'ai l'impression qu'eux n'ont pas souffert du Dieselgate. Et je suis allé encore plus loin avant. Ouais. On était en off, je t'ai dit carrément. E-tron, c'est différent et c'est un autre prix et tout. Mais Q3, Q5, dernière génération... en termes d'intérieur, moi je préfère ça, quoi. Alors que ils sont censés être un peu en dessous, on va dire, par rapport au groupe et tout. Et là, tu te dis, ouais, mais waouh, quoi. Regarde les détails, la poignée qui flotte, là. On va essayer de tous vous les montrer. Et puis ça, c'est une matière, c'est pas des trous, et c'est vraiment de la matière, quoi. Là, regarde. Là, Cédric, là. C'est moussé. Ouais, Cédric, c'est bon. Ouais. Alors le problème aujourd'hui qu'on a avec toutes ces voitures, c'est que comme c'est que des écrans partout, celui-là qui est quand même allumé. Ouais, celui-là est allumé. Viens te mettre à côté de moi, quoi. Là, c'est le nouveau sélecteur qu'on va retrouver dans tout le groupe. On le verra sur la Golf. Parce que maintenant, comme c'est des boîtes automatiques électriques, ben hop, un petit switch. Ça, alors, c'est... par contre, il faut faire attention, je trouve. Pourquoi ? Ah, par contre. Mais c'est bien. Mais c'est, non, mais c'est presque trop. Non, mais on est d'accord, ça brille énormément. Ouais. Je veux dire, ça va, mais il ne faut pas plus, quoi. Attention, les gars. Mais c'est la boucle d'oreille de trop, là, ça va. Mais ça brille beaucoup, quand même, tu vois. Il ne faut pas plus. Là, ça va, c'est juste deux petits trucs. Non, mais si tu commences Julien, à. Il est où, start and stop ? Ah, ouais. Mais tu vois, ça s'allume pas. Moi, je voudrais pouvoir montrer le... Ah, quand même. Là, on a un peu de... On a toujours des boutons. Mais c'est la clim, elle a disparu dans le... Là, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Là, c'est les sièges chauffants. Là, t'as la clim. Non, mais ça veut dire que la clim est toujours présente en bas. Je reviens au menu, par exemple. Je pense que c'est comme le... Cerise, tu vois. C'est comme la Scala, à mon avis. C'est éteint. T'as les premiers trucs comme ça. Non, on peut pas. Je pense que t'as les basiques comme ça. Après, ça s'ouvre en grand. Tu sais, comme sur la Scala qu'on avait faite. Allez voir la vidéo. Je la mets en fiche. C'est étonnant parce que la clim marche. Tu la mets là. On n'a pas les... Alors, attends, on essaie de continuer de quand même montrer. Mais regarde aussi le décroché, là, de la... Wow ! Quoi ? Vas-y. C'est moussé ! Non, mais là, c'est même plus que c'est moussé. C'est un matelas. Non, mais attends. Truc. Ça y est, Skoda a gagné la bataille. Est-ce qu'on peut m'ouvrir le toit aussi ? On découvre avec vous, hein, je suis désolé. Alors c'est génial, tu vois, il n'y a pas de courant, mais la pédale est remontée, je freinais à fond. Et c'est une bonne question, il est où le truc du toit ? À mon avis, tu dois avoir, ça doit être là, tout est tactile. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, c'est chiant. Je sais pas à quoi ça sert si les petits observateurs sont au courant. Ici, il y a une prise USB type C, là-dedans. Alors forcément, c'est pas pour recharger son smartphone, tu vas pas le recharger là-haut. Mais est-ce que c'est pour les trucs de mise à jour ? Est-ce que s'il y en a qui sont au courant ? Je vais me mettre derrière. Parce que l'avantage des Skoda, c'est quand même d'avoir toujours une place gigantesque. Ah ok, faut pas. Moi, je suis mieux derrière. Ça y est, t'es arrivé à voir les. Non, mais t'as la juste. Montre-les, on fait. Regarde, non, mais le Skoda exemple, marqué. Tu peux pas, effectivement. Ah ouais, là, il reste en welcome Skoda. Après, bon, normalement, est-ce que ça marche ça quand même ? Ouais, bah ouais. C'est le problème des trucs de salon, ouais, elles sont en mode. Non mais toutes les voitures ont leurs écrans fermés. Ouais. Et là il est tôt, vraiment c'est du vol, hein, parce qu'on est venu. T'es dans le noir. Ouais, je suis dans le noir, je vais ressortir, mais je voudrais enlever ça, mais regarde. Ah c'est vraiment du vol là. On, ouais, on va ouais, faire c'est le des maximum cadeaux toute ouais. la journée. C'était pas prévu. Ouais. Les salons sont pas morts, il y a du monde. Alors attends, on va y voir quand même le coffre. Ces bagnoles là. Attends, ce qu'il faut. Non, mais on s'est regardé, on était comme des gamins. Ouais. On s'est dit, bon, on voulait en faire peut-être 2-3 vidéos, là, on s'est dit, bon, on a envie de faire... On va essayer de vous en faire un max, mais
Ils essayent toujours, ça fait partie de leur histoire, hein, d'avoir le plus de place possible. Le coffre est hyper noir. C'est très noir, mais tu vois, ça, c'est deux choses où on peut ranger. Je ne sais pas si on voit. C'est quand même vachement malin. Ça, hop. T'as vu qu'ils ont remis le truc que tu trouves génial. Tout le monde n'a pas vu la vidéo qu'on a fait sur la Superbe. Mais tu as cette option fantastique. Ah ouais, mais ça, pour tous les gens qui prennent l'avion, on en rêve. Regardez, ces deux options-là. C'est-à-dire que quand vous mettez la tête, vous pouvez dormir à l'arrière. Je vous montre là. Parce que votre tête est tenue. C'est génial. Et Dieu sait si on... Ça, ça te change la vie. Tu peux te défonces le cou quand tu dors, ta tête qui tombe. Là, t'es tenu. C'est Et alors là, qu'est-ce qu'il y a aussi? Quelqu'un a déjà piqué la raquette. C'est vrai? Regarde, ça, regarde, double pochette aumônière. Le truc, la petite juste pour la carte. C'est très fort, tous ces petits détails à chaque fois, c'est vraiment fort. Deux prises USB, non, franchement... C'est là le truc aussi avec le lave-vitre, tu sais, avec l'espèce de... Alors attends, parce qu'ils vont nous dire, alors on est au salon belge, je sais pas les... Oui, mais ça vaut combien maintenant tout ça? On va pas filmer les... Mais donc là, on a la TDI 150 chevaux des CG7. Ouais, 27 745 euros. Franchement, avec le toit ouvrant, là, cette série, ce prix-là, c'est pas possible. C'est en option. Ah non, voilà. Là, véhicule exposé, 48 000. Ouais, je comprenais pas, là. Non, mais là, franchement... Bon, par contre, je trouve qu'elle est très bien dessinée aussi, comme ça, mais le rouge, ça lui va pas très bien. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas fan. C'est une voiture qui se voit quand même... De salle de ambiance, ouais. Voilà, ouais, c'est pas la même histoire quand tu la vois comme ça. Il faut savoir que c'est une voiture qui adorait des taxis, des Uber et tout. À mon avis, ils ne la prendront pas en beige parce que c'est salissant. Il faut s'appeler Roubedi pour rêver de beige dans ces voitures. Ah, mais tu vois que la limite, ils veulent faire un côté plus sport, même à l'intérieur et tout, ouais. Avec le tissu, avec la petite LED et tout. Mais tout est, pour moi, c'est pas la même voiture comme ça, alors que c'est que des ambiances. Et l'arrière est vachement bien dessiné. Elles sont toutes en... Alors attends, ça c'est la berline, c'est un hayon ou c'est un coffre? C'est électrique, t'es bien grand, attention. Ah ouais, mais attends, tu as vu le décroché? Non mais c'est vrai, par Non, c'est une belle auto. Franchement, je pense que ça doit être très compliqué au sein du groupe Volkswagen, Audi, parce que Skoda, je vous dis, est plus juste. Ça fait vraiment longtemps qu'on le dit. Et leurs voitures deviennent plus désirables. Alors, c'est le côté Challenger, bien sûr. Mais comme tu dis, il ne faudrait pas après qu'ils tombent dans « on se la pète trop ». C'est toujours le problème. Non, mais là, c'est pour dire, voilà, mais c'est les petits chromes. Il faut toujours faire gaffe, en fait. Tout le monde, à un moment, comme tu dis, il faut se réinventer. Ils veulent toujours vendre. À chaque millésime, tu es tenté de rajouter un truc. Mais là, franchement, sur celle-là, j'ai envie de dire, que reste-t-il à la Superbe, quoi. Je vous remets un peu encore. Là. C'est-à-dire qu'ils ont piqué de ce qu'il y a de mieux. Dans ça, c'est typiquement le groupe Volkswagen. C'est très Audi, mais c'est voilà. Et derrière, franchement, mais ça, on a envie de partir voyager, comme dit. Vraiment dommage qu'on puisse pas. Ouais, on se le dit à chaque fois maintenant sur le nouveau. Il y a plein de moteurs aussi. Hein, et à terme, elle va sortir en hybride rechargeable, je crois. Ouais. Enfin, ils sont obligés de toute façon. Je sais pas quand. C'est la Superbe qui aura les honneurs, mais après, très vite. Tiens, c'ah rigolo d'ailleurs de voir combien ils. Tu vois, alors 4,7 litres en mesuré avec le cycle d'essai officiel, 124 grammes. Mais est-ce que c'est du WLTP? WLTP 2019, procédure de test. D'accord, bah c'est pas mal 124 grammes. Hein. Ouais, mais elle sera déjà bien malusée. Ouais, mais c'est la vraie... Quand vous regardez la vidéo, parce qu'en France, ça fait que de changer, ça va rechanger en mars. Ouais. Je crois que c'est... Ah tiens, regarde, il y a tout le staff, regarde. Ils sont en train de former. On est très tôt, ouais. Donc ça, je vous dis que c'est la meilleure. Ouais. Bientôt l'essayer aussi, Camille. Ouais, ça serait bien qu'il... Ouais, on va partir à La Réunion rencontrer des Skoda fans. J'aimerais bien leur demander si on peut... Voilà. Bonjour. Je vais juste poser une question. Pardon, bonjour. On est journaliste, on parle de l'Octavia. Il y a moyen d'allumer le combiné central ou toutes les voitures, il n'y a pas les clés et... On n'en a pas les clés, non. D'accord. C'est dommage que, de voir l'animation. Non, mais juste, bien sûr, pas la démarrer, mais de pouvoir... C'est pas possible. Il faut demander. Ouais. Demander c'est triste de montrer un tableau de bord sans voir le... On aura essayé. On aura essayé. Ouais. Regarde aussi, là. Tu vois? Même tout ça, comme c'est... Et c'est fou comme les LED aussi, ça a vraiment révolutionné le regard des voitures. C'est pas possible.
Regarde-moi ça. Toi, je pense en plus, t'aimes bien, ça fait un peu cristaux. J'adore, j'adore. Ouais, t'as compris. Ouais. M'énerve, il me décode maintenant, Julien. Je vous dis pas, le gars, ouais. Je peux vous dire. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, non, c'est très, très bien. Franchement, je sais pas si on a le parapluie derrière, mais c'est... Ah ouais. Et la raclette, elle s'est déjà fait. Il n'y a pas le parapluie. Ah si, il est là, voilà. Mais ils l'ont enlevé aussi. Ouais, c'est à mon avis. Aussi, non, non, mais à mon avis, ils les enlèvent parce que tu te les fais chourer. Tu te les fais chourer directement sur les. Je serais curieux. Est-ce que des petits observateurs, dans leurs pattes de révision, ils ont déjà été. Enfin, ils ont déjà rajouté du wet blue. Je sais que c'est pas eux-mêmes, mais genre chez leur concessionnaire quand ils font leur révision. Est-ce que en fait, en vrai, est-ce que c'est juste sur. Sur ton truc, ils te disent, voilà, on a rajouté du wet blue parce que ça faisait tel et tel kilomètre, s'il y a une procédure spécifique. Mais t'as un voyant qui te dit, et ouais, moi je connais des gens qui roulent beaucoup et ils en mettent tous les mois. Hein. Ah ouais, et t'achètes du wet blue encore, et ça vaut 5 balles chez Carrefour. Non, non, suivant, en fait, ça consomme pas mal de. Ah ouais, de... Et regarde le petit, la petite lumière là aussi, en dessous, tu vois. Et tu vois, là, ils l'ont mis en blanche, là-bas, là, en bleu et tout. Mais ça, ça se paramètre, c'est rien. Ouais. Bon, voilà, on va pas vous faire 22 minutes de parlotte, c'est pas technique, vous l'avez. Voilà, on va essayer d'aller. D'aller voir la Golf, on va être confronté au même problème. Les tableaux de bord ne sont pas allumés, mais bon, on va le faire quand même. Allez, ciao. Chers petits observateurs, nous sommes au Salon de Bruxelles et on ne résiste pas à la tentation de vous présenter le nouveau California. On va dire c'est le descendant du combi qui a son héritier, enfin c'est ses grands-parents, le Flower Power. Alors maintenant, c'est du super luxe, mais Julien, il a lu plein de trucs... On avait été invité pour l'essayer, ils proposaient de passer une nuit dedans, on avait trésorerie, on n'a pas jour, pu le faire. On va se faire un road trip avec des vans utilitaires, voilà. Van life, et on dort dedans, je paye au gaz, des petits marshmallows. on va le faire, on va le faire. Mais regarde ça comme ça donne envie. Et tu vois, je disais avant, on rêvait de bagnole qui roule à 300. Moi aujourd'hui, l'automobile, c'est ça qui me fait rêver. Regarde, à mon avis, elle a toutes les options, mais... T'as la tente là, le je sais pas comment t'appelles ça. En fait, elle est vachement ingénieuse parce qu'il y a plein de vanlifers qui en prennent, qui les font eux-mêmes. Ouais. Il y a aussi Stilvan, on avait fait aussi un petit observateur où là, c'est fait par des constructeurs. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est Volkswagen, ils essaient d'optimiser au mieux. Et en fait, t'as plein de trucs qui est vachement bien. Par exemple, ici, hop, j'espère qu'ils y sont, ils ont pas tout enlevé. Hein. Ah, forcément, ils ont enlevé, ils sont pas. Ici, en fait, c'est l'endroit pour ranger tes deux sièges. D'accord, les deux sièges ils sont sortis. Là. La table, elle est à l'intérieur de la porte ici. Elle est cachée dans la porte. Voilà, ici, rien. Ouais. Je sais pas si on peut le refaire. Monte dedans, je suis sûr qu'on peut rentrer. Non, mais bienvenue à bord, les gars. Regarde, il y a du bois. Là, la table, elle est rangée là-dedans. Et en fait, ça te fait la contre-porte. Tu t'en rends pas compte. Tu l'enlèves, t'as une table pour l'extérieur. De base, c'est hyper bas. Où est-ce que tu dors, là? Il est où, le lit? Il y a deux lits. Mais ils sont Mais non, j'ai tout regardé. En fait, ça, tu le tires, tu le mets droit. Attends, on voit rien. Essaye de viser en même temps, parce que le temps que... Ah, là, il n'y a pas de lumière, en fait. Ouais. Moi, j'en ai plus. Voilà. C'est ça, en gros, donc la banquette, tu la mets à plat. Ouais. Et après, dans le coffre, t'as un espèce de semi-matelas, tu mets dessus et t'as ton premier lit. Deuxième lit, tu descends ça. Ah ouais, mais ça me fait rêver. J'ai jamais fait, hein, non. Ouais. Voilà. Et là, t'as un deuxième lit. Hey. Tu vois, faut dormir à 4. Non mais regarde. Alors, hop, là, t'as 30 litres d'eau. D'accord. Donc eau propre et après donc 30 litres d'eau usée, d'eau grise. Ouais. Là, je te le vois, moi. Là, t'as ton petit gaz, de feu. Là, t'as ton petit frigo. À part le haut. Par le haut. Et ça, c'est pas mal parce que quand t'es un lifer et tout, c'est vachement bien. T'as les petits frigos. Là, t'as plein de rangements partout comme ça, tu vois. Le c'est vrai... une toilette, ça, c'est chaud, non, c'est non. La douche. Non, le vrai problème, t'es un petit peu en mode douche. Le vrai problème par rapport à d'autres, c'est qu'ils n'ont pas réussi à intégrer une douche intérieure en tant que telle. Donc en gros, t'es en Suède, un truc, tu dois te doucher à l'extérieur avec ton pommeau de douche. D'accord. C'est un peu compliqué. Alors moi, j'ai moins bossé le sujet que toi, mais je lis quand même des trucs parce qu'on avait envie de l'essayer. Je vois que sur les forums quand même, justement ceux qui sont des vrais vanlifers, ils disent « ça, c'est quand même pour les touristes qui n'en ont jamais fait, parce que ça coûte très cher. En gros, c'est pour Roubody, il se fait avoir. » Tout le monde dit. C'est les vannes de bobo. Voilà, c'est pour moi. Voilà. J'assume. Et en vrai de vrai, je ne sais pas exactement combien il doit coûter celui-là, on va regarder, mais c'est des sommes souvent dans les 65-70, on va aller voir. T'as meilleur temps, et effectivement, on fait de la pub gentiment, mais d'aller chez Stilvan ou comme ça, où tu peux choisir tes intérieurs, tu peux faire des modifications, ou des fois même t'arrives à incorporer des petites douches, que celui-là, où mine de rien, c'est quand même vachement figé. Après, c'est très bien fini, et là, regarde, on a. Alors. C'est très rassurant. On n'a pas la nouvelle version parce que la dernière version sur la 6.1, tu peux carrément avoir un écran digital et tout, avec un 9 ou 10 pouces ici. Non mais. Et ça c'est génial. Oh. C'est chiant que c'est pas lui. Oh. Regarde ça. Ah, pourquoi t'as accès à tout. T'as tu peux dire ta clim, ton truc, quand elle doit se mettre en route. Tu peux faire aussi. Regarde,
ah, ça marche pas. Le contrôleur de descente, là. Ouais, ouais. Et là, t'as des petits manos et tout en mode truc de niveau. Tu peux, c'est avec ça que tu le montes et que tu le descends, on peut pas le faire. Mais t'as plein de trucs et c'est vachement bien, tu vois. Mais tu sais, je vais défendre le bobo qui est toujours honni par tout le monde. Mais quand t'as jamais été rentré dans ce marché-là, ben, Volkswagen te rassure et quelque part le prix te rassure. Bien sûr que si après t'es calé, ben, tu dis j'ai pas besoin de ça, c'est pour les gens qui connaissent pas. Mais je trouve que c'est louable de la part de Volkswagen. Ouais, d'aller jusqu'au bout. Ouais, ouais. Encore le clin d'œil. Et de quoi regarde. Ouais, non, mais regarde, c'est ça, regarde. Sur l'écran, j'ai tout mis en route. Ah, c'est toi qui l'as allumé à l'instant. Je croyais que c'était parce que j'avais ouvert la porte. Ça marchait pas. Attends, il y avait d'autres trucs derrière, regarde. Normalement, dans le coffre, t'as le pommeau de bouche. Ouais, ouais, je crois qu'il y a. Ouais, ça, c'est joli, c'est un petit détail, il y en a Californie. Non, mais là, ils se font plaisir. Mais franchement, au lieu de se plaindre tout le temps, il faut voir le côté positif. Et là, c'est quoi? C'est le fameux matelas? Voilà, c'est ça. Donc, tu as le dernier bouquet là. Ouais. Et après, ça, tu le tires. Alors, je suis désolé, je ne suis pas en grand angle, ouais. Moi. Ça, tu le tires et après, ça te fait un lit tout du long, quoi. Et là, tu as l'arrivée d'eau. Enfin, la sortie d'eau pour prendre ta petite douche. D'accord. Et là, il y a quoi? Il y a encore... Ça, c'est pour être directement relié au courant. Et là, l'arrivée d'eau. Non, mais franchement... Je suis curieux de voir à combien il est, celui-là. Il doit être très cher. Et regarde sa gueule devant. Ouais. Mais ça, on va se le faire prêter cet été. Il a 60 000. On vous promet, on ira soit à la campagne, on passera une nuit, on fera un feu de bois, on fera la vraie bine. Ouais. Ah ouais, ça sera très bien. Il est beau. Et tu vois, avec l'éclairage, là, maintenant, à l'intérieur, t'as vraiment l'impression que t'as ta petite cuisine. Non, mais encore une fois, l'automobile, c'est d'abord... parler à l'époque, ben c'est ça, aujourd'hui on revient, tu peux pas rouler vite, tu peux lui, etc. Là, tu te dis, ok, en fait, je voyage, je m'évade, et il y a tout derrière, regarde, là aussi, il doit y avoir plein de... C'est des rangements, en fait. D'accord, c'est des rangements. Ouais. T'as plein de rangements dissimulés, et parce que j'aime bien la consommation, je consomme pas trop. Non, mais c'est vrai, tu peux faire gaffe, tu peux être dans les 8 litres et tout, c'est pas mal pour ce type de gros bébé. Bon, allez. Et puis t'as l'autre flower pot. Bah ouais, ouais, qui est là. Pardon, hop, on va redescendre. Pardon, messieurs, merci beaucoup. Hop. Voilà. Ça, il y a une vraie folie. À Biarritz, t'as des gens qui t'en louent. Tu peux le louer pour une nuit. Je pense que beaucoup de gens se rendent pas compte à quel point ça n'avance pas. Le moteur à l'arrière. C'est rustique. Hyper rustique. On s'en rend plus compte parce qu'elle a une. Non, mais les gens fantasment un passé. Ouais, ouais, ouais. Extraordinaire. Mais c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment pas pareil. Bon, allez, à suivre. Chers petits observateurs, nous sommes au Salon de Bruxelles et on ne pouvait pas passer à côté de celle que vous connaissez déjà si vous êtes bagnolard, la nouvelle Golf. Mais on était content de la voir là au calme, en gris et non pas en jaune, pétard, moutarde qui était sa couleur de prédilection. Alors, comme d'habitude, hein, les réseaux sociaux, tout le monde glosse sur le style. Il y a un truc quand même, c'est que quand tu la vois, bah, tu sais que c'est une Golf. Ouais, d'accord, Julien. Oh là, Julien, il a l'œil qui quoi, qui conne, hein. Bah, là, t'as l'œil qui frise. Je le connais aussi, ça te plaît qu'à moitié déjà. Non, mais... On parle de style, non, c'est purement subjectif. On va retourner devant, enfin, on sinon elle est ici. C'est les paupières qui tombent. Bah, en fait, Cédric, qui est fan de... Le dit, elle a l'air triste, quoi. Je suis pas d'accord. Je sais que... Non, mais je sais que tout le monde a dit ça. Je pense qu'on s'y habituera très vite. T'as l'impression qu'ils ont voulu la rendre un petit peu plus agressive. Tu vois, ça donne un peu ce côté-là. Ouais. Mais ouais, là, à côté, je trouve que ça fait un peu... Ben regarde, tu as celle d'à côté, montre-le. C'est moi, ce que je trouve frappant... Regarde, mais viens devant carrément qu'on voit, parce que moi, je vais te dire ce que je trouve surtout frappant. C'est très dur hein, de toucher des chefs-d'œuvre comme ça, automobiles ou quoi qu'on dise. Allez-y. Mais t'as une proéminence là, beaucoup plus forte. Regarde, Julien. On a l'impression qu'elle est un peu prognate. Regarde, là, tu l'as pas, tu vois. Et... c'est qu'à chaque fois on dit que ça change pas beaucoup, ouais. Mais en fait quand elle est à côté, elle prend un gros coup de vieux. Elle prend un coup de vieux énorme, ça c'est... Ils sont forts les mecs, hein. C'est... Et alors, bon... L'arrière est pas mal, elle c'est un peu plus musculeux. L'arrière c'est pas mal. Et Cédric, je sais qu'il aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment pas mal aussi. Bah, Cédric est allé l'essayer. Ouais. Alors il est convaincu dès le départ. Au début, il était un petit peu... plus sceptique, quoi. Mais franchement, alors, Julien, on a fait waouh en rentrant dans la Skoda Octavia. Je vous invite à voir l'autre vidéo. OK, c'est un modèle plus au-dessus. Mais quand même, la force de la Golf, c'était son intérieur. Ah, au moins, les tableaux de bord s'ouvrent. Viens, ouvre la porte. Voilà, ça fait un tout petit peu moins waouh. Viens voir. Moi, j'ai lu tout l'eau, comme j'imagine, comme tous les fans, beaucoup de papiers. Tu sens quand même qu'il y a eu un tout petit peu d'économie, tu vois.
C'est super propre, mais c'est vrai que chez Volkswagen et la Golf, on attendait toujours qu'elle soit un ton au-dessus. Aujourd'hui, tu montes dans la concurrence, ça paraît plus cossu, comme dirait certains. En fait, j'ai envie d'essayer, et je ne sais pas si ça fonctionne. Vas-y. Non, mais c'est toujours le même truc. Parce qu'en fait, le gros de... Tout, c'est l'interface. Là, je suis plus sur le son. Le problème en fait, des salons, c'est qu'ils te mettent des Bah, pas toutes les fonctions, ouais. Je peux rien faire, quoi. Là, je peux, à part ça, je peux rien faire. T'es sûr Bah, là, je vois pas comment je peux retourner au menu, quoi. Bah, là, on sent que... Alors, menu, non, mode. Non, ça, c'est en dessous, tu vois. Non, en fait, t'as les petits boutons qui sont ici. T'as ici les trucs de clim. Mais je peux pas accéder en fait à la home de base parce qu'il y a plein de petits observateurs qui m'ont dit qu'en gros ça va me plaire parce que le système d'exploitation qu'il y a derrière, ils ont vachement bossé. Là on est bloqué, c'est toujours embêtant. Mais tu vois maintenant, c'est l'époque, hein, mais ce sont les écrans dont nous parlons. Non mais en fait celle-ci encore plus que d'autres voitures parce que là, en gros il y a le Mercedes Classe A qui est venu il y a deux ans, parce que ça fait quand même 2 ans, elle a tout chamboulé, ils ont mis un double écran mais qui a l'air presque d'un simple écran géant en fait, et elle se vend comme des petits pains, tu me disais même dans l'Europe du Nord, ouais, on en voit partout, j'étais à Copenhague, enfin, voilà. J'en ai vu plein. Voilà. Et là en gros tu te dis voilà comment ils vont répondre à ça, et donc c'est pour ça que tu as envie de voir. Cédric me disait effectivement, je pense que t'auras envie là que ça continue, mais essaye peut-être de le mettre avec la GoPro en grand, et en fait quand tu es à la place comme ça du conducteur, vu que tu as le volant, ça cache un peu ça, donc tu as presque l'impression que... Tu as vu, c'est un bouton carré, le start and stop, je ne sais pas pourquoi. On est désolé parce qu'on ne peut pas mettre les tutos. Ouais, mais pourquoi il s'est allumé tout à l'heure? C'est ça que je comprends pas. Ouais. Alors, tu vois, pendant des années, Cédric m'expliquait que les Allemands, ce qui est génial, c'est que c'était un rond. Bon, maintenant, c'est fini. Hein. Les phares, ça s'allume, tout est là, dans la petite platine. Mais ouais, c'est un peu triste de vous parler d'auto où les... En fait, si tu veux, moi, la tonalité... Ah, ça y est, tu y es arrivé, ouais. Non, mais juste ça, en fait, quand tu ouvres une porte, tu peux voir ça. La tonalité des papiers de la presse, globalement, tout le monde dit, il n'y a pas de problème, c'est une Golf. Super voiture, mais il lui manque le petit côté, le petit zeste qui faisait que... Et tout le monde dit, on va aller la voir après. Je ne sais pas si c'est vrai. En disant, mais parce qu'ils ont mis plus d'argent, il y avait l'ID3 à sortir, qui est là-bas, qu'on va aller voir, la version électrique. Ouais, mais ça va quand même. Tu veux dire ça va là le... Non mais ma mère elle a une Golf 7, donc ouais. La dernière génération et tout, donc je compare vachement par rapport à ça parce que je la conduis, parce que je l'ai vue, je la vois au quotidien la voiture, et honnêtement je m'attendais, par exemple le T-Roc, ces parties là sont très très dures, là il y a quand même encore un effort qui a été fait, non mais c'est des petites choses. Ça paraît ridicule mais c'est vrai que chez Volkswagen, c'était leur signature, Golf 4, dans le temps, moi je me rappelle mes potes, c'était extraordinaire, tu vois. Extraordinaire. L'allumage un peu bleuté, le truc, et tu te dis ça c'était... T'étais content, tu vois. Donc, Golf, c'est attention, ça. Attention, Julien, tu parles déjà comme un vieux con, tu parles comme Robody. Tu... Qu'est-ce que c'est en dessous, ça? Regarde, c'est curieux, ça, de voir cette plaque juste en dessous, là. Ouais, je le sais. C'est pas mal. Non, mais là aussi, très difficile de se battre sur ces marchés où la concurrence a marqué tellement de points. C'est propre, hein. Mais. Ouais, vas-y, en fait, t'as visé tête haute. Vous voyez, c'est drôle les couleurs, parce qu'elle a été présentée mondialement en jaune comme ça. Bah, tout de suite, ça vous électrise, quoi, sans mauvais jeu de mots. Mais. Moi, j'ai quand même le sentiment, moi, que même chez Volkswagen, voiture capitale, hein, qui a drivé toute la marque pendant des années, c'est plus l'épicentre, la Golf. Bien sûr, ils ont fait bien le truc, mais la pression est telle, le contexte est tel, entre le Dieselgate, les nouvelles normes qu'il faut respecter, le pari de l'électrique, les 25 milliards, les 22 bagnoles qu'ils vont lancer, la première avec l'ID3, c'est déjà le passé pour eux, en fait. Et ils savent tellement qu'ils ont une autre bataille à gagner qu'ils n'ont pas tout mis. Voilà. Ouais, mais honnêtement... Je ne vais pas dire qu'elle ne me donnait pas trop envie, mais là, le fait de l'avoir en vrai, je trouve déjà le dessin, il est mieux que ce que je pensais. L'intérieur, j'aurais envie de m'amuser avec les écrans, ouais. Surtout qu'on m'a dit que c'est vachement bien. On va sûrement faire un road trip avec. Il faut absolument qu'on fasse ça, surtout que c'est la 8e génération, donc c'est bien qu'on fasse toutes les générations. Mais, l'idée, on s'était dit, ce serait marrant d'aller voir chacun des gars qui ont eu une, deux, trois. Les observateurs. Le mec, il a du mal. Non, mais juste ce que je voulais dire, le truc qui est vachement sur les réseaux sociaux, c'est le fait que voilà, l'écran ne soit pas tout du long.
Quand t'es une fois que t'es au volant, l'un dans l'autre, vu que t'as le volant qui te cache la partie qui... C'est pas si gênant que ça. Il y a un moment, on attend tellement à chaque fois qu'on est toujours déçu, on est toujours dans la critique. Ça va. Ouais. C'est pas la critique, c'est de l'observation. Ce sont des petites observations et les vôtres valent autant que les nôtres. Voilà. C'est... On tient pas la vérité. Allez, à suivre, on va aller la voir rapidement. Chers petits observateurs, nous sommes au salon de Bruxelles. On vous fait des... On vole ce qu'on peut rapidement et... Bah, on ne pouvait pas passer à côté d'un cabriolet parce qu'on pense que la voiture est finie, que la bagnole est morte. Et quand je vois des cabriolets, quel que soit le modèle, bah, j'ai le sourire. Et là, Volkswagen l'avait promis, ils ont tenu parole et ils ont décapsulé le T-Roc. Alors ça me fait rire parce que l'automobile, c'est toujours des chapelles, vous savez. Quand le Range Rover Evoque a fait ça, beaucoup de gens ont dit « c'est une honte, un SUV ne peut pas être un cabriolet ». Je ne sais pas, moi, qui marque ces règles-là. Bon, après, on apprécie ou pas, mais ce n'est pas grave, c'est juste le débat. Et mais donc, Volkswagen a suivi. Et moi, la première chose qui m'a frappé en la découvrant, c'est qu'en fait, elle est assez petite, assez rablais. Et on a envie, c'est pas un buggy, bien sûr, mais on a envie d'aller à la plage à 4, parce qu'il y a 4 places. C'est quand même... je vais pas vous faire un cours pendant 2 heures sur ces plastiques, mais ce que je constate, c'est que quand vous vous asseyez, ben la barre, elle est loin de votre front, donc vous n'avez pas peur de vous la prendre en pleine gueule. On retrouve l'environnement maison. Comment je peux faire moi pour... Voilà, hop. Bon, alors, pareil, je suis désolé, hein, mais les écrans ne s'allument plus. Toi, ça te tiquait quand même de retrouver l'ambiance T-Roc. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Imaginez que c'est le soleil, c'est là. C'est bien qu'il l'ait sorti quand même. C'est bien. Non, c'est bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de cabriolets, tout ça fait plaisir. Toi, un cabriolet 4 places, c'est bon, t'es content. Ben ouais, toi, j'ai monté derrière, je vais le réavancer, voir un peu si on est... Mais non, mais c'est rare. Attends, t'as fait une super intervention qu'on verra sur la 306 Cap. Tu disais, il n'y a plus de petites voitures pas chères, un peu marrant. Ça doit valoir un bras, hein. Ouais. Mais, regarde. Il y a 10... Regarde, franchement, ça va ? Il y a de la place, ouais, c'est logeable, quand même. Bah, c'est pour deux enfants, c'est toujours la même chanson, mais... Tu vois, ils ne sont pas embêtés, il n'y a pas de couvre-capote, c'est la capote qui en fait fait le couvre-capote. Ce serait bien qu'on puisse l'ouvrir. Le bouton, il est là. C'est drôle parce que. Ils sont cons sur un salon de rien mettre comme. Mais c'est drôle, on t'aurait dit quand le T-Roc sort, ils vont en faire un cabriolet, c'est pas possible. Hein. Mais il y avait eu un concept que j'avais filmé qui était marrant. La taille du coffre. Mais franchement, c'est sympa. Regarde. Ça va. Ça va, alors c'est pareil. Je vais te dire, tu vas me dire ton prix psychologique et je vais te dire le vrai. Vas-y, tiens, les compteurs sont allumés. Vas-y, bouge pas. D'accord. C'est quoi comme garçon ? Attends, parce que là, j'ai pas... Ils le mettent pas, le prix. Alors attends, bouge pas. Si, vas-y. 35, 40. Moins. Ah ouais. Ouais. C'est ça qui allait se faire plaisir. Alors 28 alors. Moins. Sérieux? Ouais. Ah, je suis surpris, l'un dans l'autre, ça. Bah, 25 000 euros. 27. 27 000 euros. Et encore dans cette version essence. Non, mais bon, en fait. C'est toujours beaucoup d'argent. Ouais, je reprécise quand les gens ils disent les bobos. C'est parce qu'en original, sur les salons, on parle du marché. On parle du marché. Là, encore une fois, ce sont des petites observations. Je sais que les salons, des gens nous découvrent. Vos observations sont aussi importantes que les nôtres. C'est juste de vous montrer des détails. Mais bon, well done, sympa. Mais c'est bien d'oser et avoir encore des trucs un peu sympas aujourd'hui, ça fait quand même plaisir. Ouais, et puis, je te dis, ça pourrait presque être un buggy, tu vois, avec le... Mais tu vois, c'est curieux parce que finalement, en termes de family look, la Golf, effectivement, fait son truc avec ses doubles paupières. Eux, ils restent dans le côté un peu comme le Tiguan, costaud, sérieux. Je suis solide, je suis fort. Ça fait vraiment bon d'avoir un espèce de SUV cabriolet. C'est étrange, mais c'est pas mal. Est-ce que tu sais quel est l'un des premiers qu'il avait fait ? C'est pas Range Non. Un qui avait fait... Il y a une vidéo qui traîne sur POA. C'est le Nissan Murano à Los Angeles. Et pareil, la pluie de commentaires de sachant, disant que c'était scandaleux, que c'était débile. Encore une fois, on pense ce qu'on veut. Mais qui donne la règle de si on teste pas, on peut pas savoir. On a le droit de dire j'aime pas. Mais je vois pas le crime. Non, et puis bon. C'est bien, il faut oser. Bah, écoute, voilà. Allez,
osons. Chers petits observateurs, l'automobile, c'est avant tout une histoire de désir, quoi qu'on en dise, pourquoi on veut les choses. On ne sait pas toujours, ça touche à plein de choses mystérieuses. Et là, j'ai la banane, j'ai le sourire, je l'avais vu en photo comme vous, j'ai vu les vidéos comme vous. Et là, ça y est, je le vois en vrai, le Defender, clin d'œil à Lego qui sort sa version. Mais qui l'est désirable? Qui l'est, mon Dieu, à croquer? Tout n'est que détail. Tout est... La gestation a été très longue. On le sait, le Defender, qui d'ailleurs ne s'appelait pas comme ça, c'était Land Rover, le lendemain de la guerre, intouchable pendant jusqu'à il y a 4 ans. Pratiquement pas bougé. Alors bien sûr, les fans ont dit c'est pas ça, mais comment voulez-vous changer une icône? Et il présente ça, je pense qu'il faut du temps pour le comprendre, il faut du temps pour l'analyser. Mais mon Dieu, quel travail, quel... Tout, vous avez envie de tout. Regardez, j'ai pas besoin de vous raconter la messe, il y a 10 milliards de vidéos qui font truc. Mais regardez ça, par exemple, de mettre sur le capot, c'est censé être du fer, je sais pas, mais ça donne... Ça. Regardez, l'entrée du phare, là, à moitié coupée, avec l'entourage noir, là, les grilles plus fortes. Alors les gens vont dire, oui, c'est du design pour donner un... Mais oui, mais c'est ça aussi l'automobile. Comment je raconte une histoire juste par la forme? Vous devez raconter que vous êtes indestructible. Vous devez raconter que vous êtes solide et que vous vivrez toute une vie, que vous pouvez traverser le monde entier. Tout en ayant l'air moderne, tout en... Il faut avoir l'air sympa. C'est compliqué aujourd'hui de dire... Je suis un 4x4, un vrai, un authentique. Alors, on ira photographier, on ira filmer la version 3 portes parce qu'ils insistent beaucoup sur qu'il y a une version très utilitaire, entre guillemets, pour les fermiers, voilà. Mais mon Dieu, et n'attendez pas de moi une vidéo pratique. Bien sûr, les gens vont dire, oui, mais la porte qui s'ouvre de côté avec un pneu, c'est pas pratique. On s'en fout, elle est belle. Regarde en ville. Voilà, voilà, là, c'est juste le désir. On vous parle de trucs, ils se sont éclatés. Regardez, bravo. Même avant. Non, mais bravo, quoi, le style. Alors, ça a été long. Hein. Oh, génial, mais regarde le truc en bois avec les trous au milieu, là. Non, mais ils s'éclatent, là. C'est vraiment génial. Non, mais les gars, moi, je pars tout de suite dans l'Alaska et de... Ben voilà, on a envie d'en prendre plein la gueule. Tu rentres là-dedans, t'as envie d'être au milieu des éléments déchaînés. T'as envie de... C'est vachement... En fait, le combo qu'ils arrivent à faire, t'as des trucs comme ça en cul. Good morning, Alex. Là, t'as directement les têtes de vis, mais c'est sympa, quoi. Ben, ils ont tout compris. C'est... Mais tu la veux tout de suite. Tu la veux avec le... Là aussi, on a l'impression d'avoir une gâchette, tu sais, de Colt ou de... Là, il est beau, l'intégration. Ils ont aussi, ils mettent un truc comme moi qui s'allume et qui bouge un peu, parce que sinon, on va ouais. Alors ouais, parce que c'est toujours le même problème. Mais on est presque dans la caricature. Hein. J'essaye de faire le... Ça s'ouvre, voilà, t'as la grosse boîte, là. C'est pas mal, t'as des fenêtres ici. Ouais, comme dans la... Ouais, parce que là, on a la version super longue. Attends, je vais vous montrer tous les détails. Voilà, poignée comme ça. C'est vraiment... Alors, je sais que là, il y a un effet de style, carrément, de mettre cette plaque qui est purement comme à l'époque, qui en fait, ça n'a rien. T'as des prises USB, là? C'est quoi, ça? Ah, USB, direct. Bah, dis donc. 5 volts. Dis donc. Je vais le mettre au volant, mais... Waouh, quoi. Waouh, les gars. Regardez-le. Ces petits feux à LED avec les rappels, là, mais... T'as envie de tout. Non, mais moi, je vous montre. Franchement, vous êtes des grands garçons, mais... En fait, où ils sont forts, c'est... Ah, regarde, ça s'allume un peu plus, mais... Regarde, ça y est, c'est apparu, magique, au moins. Regardez, là. Là, il te montre que tout est ouvert. Alors, bientôt démarrer. Alors, bien sûr. Non, mais l'enjeu, les gens vont dire, vous avez rien compris, c'est une vraie voiture de baroudeur, on n'avait pas besoin de tout ça. Ben oui, mais c'est le monde moderne, et il faut vendre. Alors, l'enjeu, c'est que ce Defender passe partout, que ça soit le plus véritable des 4x4 avec croisement de pont et compagnie. Ouais. Il y a un snorkel intégré. Ah tiens, regarde, le volant, il est remonté. Hop, attends, est-ce qu'il va redémarrer quand je mets ça? Ouais, avec tout qui s'allume, on est content quand même, c'est bête, hein, mais... Voilà, tac. Suspension pneumatique, ouais. Tu vois, tu règles ta hauteur. Je crois qu'il y a des caméras partout quand tu roules, ça fait un moment. Mais tu peux voir vraiment tout ton environnement, notamment même en mode 4x4, c'est pas inintéressant. Ah, là, c'est marrant. Il y a un truc qui fonctionne. C'est toi qui le fais, là? Ouais. Non, c'est une démo. C'est encore la démo. C'est une démo. Parce que j'appuie, ça marche pas. Ouais.
T'es obligé avec... En fait, où ils ont été forts. Regarde, 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 là, voilà, tu vois. Ouais, un riding score. Non, mais franchement, les gars, mais les gars, c'est best of the show, c'est elle. On en parle tout le temps, c'est des bagnoles anciennes que t'as envie un peu de mettre des LED, des trucs et tout. Et en fait, ils ont réussi. Ils ont fait ça. C'est du néo-rétro, finalement. Et elle est gigantesque, elle est avec un cube. Et à côté de ça, bah là, on le voit en face de nous. Mais les feux, c'est super joli, c'est très fin. Ils ont vraiment réussi à faire ce côté néo-rétro qui marche bien avec toutes les nouvelles technologies de genre. Viens, on va aller voir le vert, la version. C'est magnifique, franchement. Ouais, ce biton. Je faisais la remarque par rapport à défaut, achetez-vous ça, c'est chez Lego Technique. J'ai failli me l'offrir à Noël. Ça vaut quand même 200 balles, je crois. Mais bon, là, on l'a en gris. C'est très long hein, comme version. Mais on va aller vous filmer la version 3 portes, qui, elle, existera encore une fois, je crois, il s'appelle le 90, sans jantalus, sans machin, qui sera déjà cher, hein, c'est une voiture très chère, faut pas se leurrer. Mais... C'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait le luxe devient la rusticité, mais c'est une fausse rusticité, on n'est pas dupe. Mais on te vend l'aventure rustique, tu vois, là c'est la version 3 portes, qui se veut le plus proche de l'original, entre guillemets. Elle est vraiment belle. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Et c'est tout le paradoxe, parce que tu es censé traverser le désert de Gobi, je suis sûr que tu en verras dans les rues de Londres, les mecs ils auront ça parce qu'ils en ont juste envie. Mais là, elle fout une claque, tu vois, moi qui adore la Wrangler. Parce que je me posais la question. Ah bah ouais. Ils sont allés loin, quoi. Bah ils sont allés très loin, Wrangler, c'est sympa, mais... Mais tout d'un coup, tu dis la Wrangler, elle devrait valoir 30 000 dollars. Parce que ça va quand même tourner autour de 70, 80, enfin, ça démarre à 50, mais... Elle avait une peinture mate. Ouais. Beaucoup de gens disaient qu'elle faisait très... Ça faisait un peu grosse voiture, ça faisait Lego. Ouais. Mais de la voir avec des peintures brillantes, là, elle devient plus vraie voiture, je trouve. Ouais. Non, mais le toit blanc, les éclairages... C'est très très désirable, franchement. Et je suis sûr que tu mets des gens qui connaissent rien à la bagnole, femmes, hommes, tous les âges, tout le monde dit waouh, cool car. Mais déjà, cool car. Avec l'évoque. Hein. Ouais. Tu vois, à l'intérieur et tout, il y a des finitions, des trucs et tout, tu te dis ouais, c'est quand même vachement bien. Non, mais ça. À mon avis. Bah ouais, vous m'en mettrez deux. Ouais, ouais. Non, mais on peut dire, on va aller voir la Jaguar F-Type, là, c'est la prochaine vidéo, qui a été un peu restylée. Je sais déjà qu'elle ne me fera pas le même effet. Elle est sympa, elle va être très jolie, je vous le dis. Mais. Alors, moi, on lui fait un petit coucou. J'avais parlé avec Didier Eric juste avant. Ouais. Et pareil, de base, il pensait ça. Et il a été agréablement surpris. Je sais pas si ça va marcher avec toi. Il a fait une très bonne vidéo, on peut l'avoir sur le. Tu veux dire sur le Defender ou sur la Jaguar? Sur la Jaguar. Ah, sur la Jaguar. Jaguar. Bon, on va y aller, ça va être la prochaine vidéo. On va voir si t'es comme lui. Et lui, il a été vraiment agréablement surpris. Par le restyling. Ouais. Voilà. Hop là, pardon. Non, je vous en prie, c'est fait exprès. C'est un glissé-boulé. Faut être très fort pour faire ça. Chers petits observateurs, je vais être franc avec vous. Je ne serais pas venu, si j'avais été tout seul, venir voir la MG ZS EV. Honte à moi. Mais heureusement, Julien, qui du haut de ses 28 printemps, de sa modernité, m'a dit « Mais si, il faut aller la voir, cette MG. » Je rappelle bien évidemment qu'MG maintenant est chinois, qui voulait dire Maurice Garage au début, dans les années... Il y a très très longtemps, enfin on va pas refaire l'histoire, donc les puristes ils hurlent, mais la marque a survécu. Et là, il présente une version électrique. Et Julien m'a dit, moi j'ai plein de choses à dire. Donc c'est toi qui vas t'y coller, parce que moi j'ai dit, ouais, d'attente, là. On dirait une Mazda d'il y a 5 ans. Mais maintenant, on va aller, on laisse la chance au produit. Non, mais je vais donner des petites infos après. Viens, on monte juste dedans déjà d'accord, un peu pour voir comme ça. Après, d'accord. Je vais en dire plus, parce qu'en fait, elle est intéressante pour pas mal de choses. Non, mais... Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, MG survit, enfin qu'est-ce que j'ai vit depuis longtemps en Chine. La musique à fond. Ils ont sûrement des prix carrément. Ils connaissent bien. Hein. Ouais. Comment ils étaient. Alors, on va voir si tu arrives à éteindre. Déjà éteint. Voilà. Voilà. Alors. C'est moi qui dois réagir. Non, ouais, j'ai envie de. Non, mais c'est pas mal fait, déjà de toute façon. J'ai vu plein de choses dessus. Non, mais, donc après, moi, je vais. Les standards mondiaux, tu vois, écran, molette, chromée. Clim séparé, etc. Bah ouais, tous les standards sont là. Les Chinois font des... Tu sais, c'est Sénard, le patron de Renault, il a dit, mais ça y est, les Chinois, ils sont là. Quand j'étais chez Michelin, en 5 ans, ils ont fait des pneus aussi bien que nous et moins chers. Les bagnoles, c'est déjà le cas. Quand ils voudront envahir le marché, pour le moment, elle n'a pas encore le look qu'il faut. Dis donc, ça, c'est très Audi A3. Je fais des petites observations. Ouais,
Ah ouais, celui-là, toi, le Diatron, elle n'a pas le petit clic. Elle n'a pas le petit clic de le. Ça fait toute la différence. Voilà, elle n'a pas. Fréour serait là, elle n'a pas encore. C'est vrai que c'est moussé un petit peu. Elle n'a pas encore les compteurs digitaux, mais c'est propre, c'est net. Ouais, c'est ce qu'il disait dans les, enfin, les essais. T'as lu les essais, toi? Ouais, ouais, mais c'est qui les a essayés? Parce qu'elle n'est pas dispo en France. Je crois pas, c'est pas importé, MG. Ah, si, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Elle est vendue en France avec le bonus. Bon, voilà, je vais connaître. Cette jeunesse impétueuse, hein, je suis pas au courant. Non, mais moi aussi, je suis au courant de ça. Je te vois pas, t'es dans le noir, c'est chiant. Ah, tu veux que je en bouche? Ouais. Ouais, non, mais attends. Attends, là, c'est bon. Si les femmes vont se plaindre si on voit. Ah, y a pas de lumière, c'est ouf. Hein, tu vois, conseille d'ouvrir ça. Bon, attends, on va sortir. Alors, ouais, tu disais, on va aller voir la blanche. Tu disais, donc, c'est vendu en France. C'est une voiture qui existe déjà et qui existait en thermique. Ouais. Pour l'Europe. Moi, je les voyais dans les salons, effectivement. Voilà, qui existait en thermique. Pour l'Europe, pour la France aussi, ils ont fait passer toutes les normes européennes. Ouais. Donc, crash test, elle a 5 étoiles crash test. Donc, c'est bon. Et en dehors de ça, ils l'ont mis en EV, donc en électrique. Ouais. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec notre bonus, je ne sais pas combien de temps encore ça va durer, allez voir Jean Pagési, il vous le dira. non, mais c'est vrai, en gros, elle est un prix plancher à 23 000 euros. C'est la moins chère du marché, quoi. Bah, là, en gros, pour 23 000 euros, tu auras une voiture qui a une batterie. Ils n'ont pas pu mettre autant de batterie qu'ils voulaient parce que vu qu'à la base, elle est prévue pour du thermique, c'est toujours compliqué avec le pack batterie. Mais là, tu as 44 kWh. C'est déjà pas mal. En gros, en WLTP, ils disent 262 km, 263 km pour une voiture à 23 000 euros. Et on peut la charger jusqu'à combien de kWh? Alors ça, j'ai pas encore trouvé les infos. Mais elle est en combo, normalement, CCS. On va essayer de trouver la prise. Est-ce que c'est devant, est-ce que c'est derrière? Ah, ça c'est le jeu des 7 erreurs. Pourtant il y a marqué EV. Hein. Ah ouais. Hello, where do you charge the car? Where in the front. Ah, where? Can you open it or? Thank you. Ah ouais, c'est tout le truc qui bouge. À mon avis, il faut l'ouvrir de l'intérieur. I think you need the key or something. But it's beside, no? It's open. Oh yeah, the key. Tu vas le casser là. Yeah. Pas... C'est pas le radar, c'est le. Non, à mon avis, ça s'ouvre de l'intérieur. Bon. C'est là. Ok, c'est là. Bon, ben voilà. On vous fait confiance. We trust you. Yeah, thank you. Là, elle a quelques options et tout. Donc en gros, le premier prix plancher normalement c'est 28 000 euros. Ouais. Avec notre bonus, on arrive à 23 000 normalement. Et t'as quand même une voiture qui est électrique et tout, ça peut être. Ouais, alors tu sais, connaissant déjà la mentalité des Français, là, et moi j'en suis le représentant, il faut sauter le pas quand même d'acheter chinois. Là, tu y es arrivé? Ah voilà, it's a clever guy. C'est tellement drôle, ça me fait vraiment bizarre de voir MG comme ça, sur une prise en type 2 con. Donc là, t'as mais tu sais que pour certains, t'as la type 2. Tous ceux qui aiment les voitures anciennes, on voit une MGA là derrière, ils veulent hurler là. Ils veulent hurler, mais... Type 2, combo CCS. Donc elle va accepter les charges rapides. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est devenu vraiment la norme en Europe. On le dit à chaque fois. Donc du coup, par exemple, tu pourras aller chez Unity, tu pourras charger avec Unity. Et en même ça. Temps, tu peux dans un village la brancher à... Alors après, je sais pas combien elle va accepter en AC, en DC, ça je sais pas encore. Mais je pense que d'ici là, tout le monde va le savoir et voilà. Mais c'est quand même intéressant de se dire que... Bon, tu te dis c'est une voiture chinoise l'un autre, mais bah, pour 23 000 euros, tu touches Je suis un vieux con en disant ça, parce que justement, petit à petit, on dira plus chinois voudrait dire moins bonne qualité. Ça devient de moins en moins vrai, au contraire. De ce que j'ai lu en fait, et effectivement, c'est ce que je vois un peu, c'est que... Bon, déjà, elle a encore des aiguilles, donc t'as envie d'aller un peu plus. Après, c'est rien, non, mais ça, par rapport au prix. Ah ouais. Non, mais prochain millésime, elle sera... Non, mais ce que je dis par rapport au prix, c'est déjà... Mais en fait, c'est plus l'écran, vraiment, là, qui est tactile, où ça fait un peu tablette de supermarché qu'on a mis. Et en gros, voilà, c'est pas fluide, c'est un peu lent. Quoi. Ce qui est marrant, quand on va dans des salons en Chine, ça fait 2-3 ans, mais tu vois toujours des Rover 75, par exemple, qui sont maintenant des MG 75. La dernière Rover... Ouais, ouais. Bah ouais. Eh ben, mais je me demande s'il n'y a pas encore la petite MGF, s'ils font... Vous faites une petite cabriolet. C'est pas mal, hein, franchement. Non, mais ça fait le taf. C'est-à-dire que je n'ai pas conduite, hein, mais en termes de prestations, look intérieur et tout, c'est standard. Ils sont standard. En fait, ce qu'on voit. Ceux qui peuvent avoir peur, après, ça va être Kia et tout. Parce que l'un dans l'autre, pour les Français, tu sais pas forcément. Et tu te dis, bah là, elle a un prix plancher qui est quand même vachement bas. C'est pour ça que. Kia il y a 15 ans, 20 ouais, ans. Ouais, mais 23 000 euros, quoi. Moi, je suis vachement surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, avec le bonus. À mon avis, on va se faire jeter des tomates. C'est gentil. Mais c'est ça, t'as raison, elle a un côté Mazda. On dirait la Mazda 5 d'il y a. Allez, ça sera le mot de la fin. Combien de minutes? Chers petits observateurs, nous sommes à Bruxelles au salon de l'auto et voilà, je suis devant la F-Type de Jaguar qui a été restylée.
Et allez, on va être franc, c'est compliqué Jaguar. Vous savez que j'adore cette marque. C'est vrai que pour moi, c'était tout. Et depuis quelques années, il faut être franc. Ils ont, à force de vouloir trop standardiser leurs voitures face aux Allemandes, elles ont perdu un peu. Alors heureusement, ils restent dans la gamme, ce coupé, qui est magnifique et qui viennent de retoucher. Alors il faut savoir que le patron du design qui était là depuis très longtemps, Yann Kalum, a pris sa retraite. Et c'est un de ses collaborateurs, un de ses proches collaborateurs, j'ai oublié son prénom, mais qui s'appelle Thompson, son nom de famille. Et c'est lui qui a fait ce restyling. Et alors c'est génial, vous voyez, parce qu'on oublie tout très vite. Mais les anciennes F-Type, les feux étaient verticaux ici. Et là, le plus gros changement qui saute aux yeux, ils ont mis des feux Matrix beaucoup plus fins. Il y a même un petit air de Ferrari Roma, un peu, je trouve. Et parfois, les restylings, c'est bien ou moins bien. Enfin, là, c'est tellement bien intégré qu'on ne se rend même pas compte. On dit, oui, ça a toujours été comme ça, en fait. Il faut voir l'ancienne pour tout d'un coup se dire, ah ben oui, en fait, ils ont changé. Et ils ont élargi la calandre aussi pour lui donner... ce petit côté, c'est très fin, hein, mais quand même un peu bad boy. Ils jouent vachement la carte sport, Jacques. Ils ont un peu aussi resserré les feux à l'arrière, très légèrement. On ne le voit pas beaucoup, mais c'est des petits détails. Ils sont très fiers. Et c'est vrai que la voiture est belle. Hein. Il n'y a aucun doute. On la voit en cap derrière. Alors, souvenez-vous, avant, ils avaient la XK qui était beaucoup plus grande. Celle-là, ça se veut presque, ça se voudrait une 911. Ça n'a pas eu le elle marche bien, mais ça n'a pas eu le succès d'une 911 ou autre. Mais alors, ils ont joué aussi l'intérieur. Là, c'est pour Julien. On est passé, vas-y, fais-moi des belles images au plein écran qui, lui, ça y est, s'allume. Là, avant, tu avais des aiguilles. Hein, maintenant, c'est standard Jag. Ils ont retravaillé un peu les finitions. Je vous montre. Hein, j'essaye un peu de raconter parce que j'avais. Alors, c'est drôle parce que moi, je trouve que. Ça fait un petit peu, je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais l'intérieur, les plastiques, le fond, même dans la première version, je crois un peu dans une Corvette. Je sais que je vais me faire tuer, mais il n'y a pas le raffinement Jaguar, mais on a l'impression un peu d'être chez les Ricains. On n'est plus dans le côté, oh, putain, on est vachement bas, je te dis là. Le fauteuil se règle là. Alors ça, c'est standard, enfin je sais que sur les XE et tout, ils ont mis ça aussi. On a gardé les boutons de clim, mais dans les XE maintenant et les XF, ils ont fait comme dans le Vélar, tout est tactile. Voilà. Alors, j'ai fait mes devoirs d'habitude, mais avant tu avais un V6, ils ont supprimé le V6, tu as trois moteurs, tu as un 4 cylindres de 300 chevaux, qui est le départ, je viens, il écoute. Hein. Il y a deux V8, un V8 je crois qui fait presque 400 chevaux que tu peux avoir soit en propulsion soit en 4 roues motrices, et t'as le super V8 R machin qui est là qui est 4 roues motrices qui fait plus de 500 chevaux, 516 chevaux. Mais c'est marrant parce qu'avec les nouvelles normes ils ont supprimé le V6 et quand ils avaient introduit le 4 cylindres je crois que finalement ça a très bien marché, ils ont été super surpris. Mais voilà, ils se la jouent, tiens ça éteint, c'est drôle ça. Quand même. Je parle pas trop parce que je trouve ça intéressant, parce que je sais non, mais je donne une Jaguar et tout. Ouais, genre, ouais, j'ai non, envie mais... de savoir en gros si elle te plaît ou pas. Si ben, en fait, je vais te dire, je la trouve bien, mais j'ai pas ce désir comme j'ai avec le Defender. Ce qui est intéressant, c'est que, je te dis, avec l'arrivée, ils viennent d'ouvrir un nouveau style, un centre de design. Il y a ce nouveau designer qui est arrivé. Il faut savoir que le groupe Tata qui possède Jaguar Land Rover, il y a des grosses déconvenues de vente de Jaguar Land Rover en Chine. Donc le groupe va pas très bien. Les nouvelles normes qui arrivent, c'est pas bon pour eux parce qu'ils sont pas au top sur tous les moteurs électriques, etc. Ils sortent plein de produits, mais en fait, la situation est faible. On a même parlé à un moment dans les rumeurs folles que PSA, dans sa folie conquérante, ouais, voilà, il leur manque un allié, c'est ce qu'on dit. On sait que la nouvelle XJ va arriver en 100% électrique. L'E-Pace, qui est leur modèle électrique, c'est pas une Tesla. Ça marche, mais bon. Donc, ils font bonne figure. Et pourquoi j'avais envie de voir celle-là, c'est que celle-là, ça devrait, c'est l'âme de Jag. Viens, on va aller la voir en roadster. Donc, je la trouve bien, mais je ne casserai pas ma tirelire pour. Ah. Il manque ce petite chose. Quelqu'un m'avait dit un jour, c'est très juste, et ça toujours... Il me dit, mais tu sais, le board de Jaguar, c'est que des Allemands. Ils ont débauché tous les gens de chez BM, de chez Audi, de trucs. Et je trouve que ça se sent. C'est-à-dire que cette légère folie british qu'on aime tant, ils essayent de la mettre.
Mais on la cherche, tu vois. Non, mais je trouve qu'en tout cas, ce restylage, déjà, au niveau des phares avant. Il est réussi. Et j'avais lu un article, en fait, où il posait les questions au designer. Et en gros, c'est vraiment grâce au LED. On le dit à chaque fois. Tu ne pouvais pas le faire avant. Mais grâce au LED, maintenant, c'est beaucoup plus fin et tout. Et c'est vrai que moi, j'aimais déjà beaucoup l'arrière. Là, je trouve que c'est une belle auto. Quoi. Non, mais c'est une très belle auto. Et le petit détail, attends, je ne sais pas. Ah, t'as mais vu pour la rigidité, c'est génial, j'avais jamais fait gaffe, je t'ai jamais monté dedans, mais t'as le truc qui sort directement là pour la rigidité, c'est génial. Mais on est engoncé, tu vois, moi je dis à tout le monde, enfin moi, mon rêve c'est de m'acheter une XK des années 2000, celle en, les dernières grosses, qui étaient jusqu'en 2009, 10, je sais pas quoi, avec carrosserie aluminium, c'est pour moi, il y avait un côté GT. Là on est dans le pur sport, mais je trouve ça bien, mais je trouve qu'elle dégage. Les anciennes Jaguar dégageaient une philosophie d'élégance de vie un peu surannée que j'aime bien. C'est incroyable, tu t'attends à tellement de choses aussi, voilà. C'est ça. C'est... Non mais là, je comprends, hein, c'est sûrement les amants qui... Il faut avoir le couteau entre les dents, il faut rouler vite, il faut avoir une fille en cuir. Tu vois. Mais l'intégration est très bien faite. Mais on sent quand même qu'ils disent, bon alors ok, les standards c'est Porsche, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont pas besoin. Maintenant, ça reste une excellente voiture. Je sais que... Je crois pas me tromper, il y a un petit observateur qui nous avait envoyé sa fiche sur cette voiture-là, il faudrait qu'on le reçoive. Mais je sais que tous les papiers sont bons. Hein. La voiture n'a pas de... Enfin, je veux dire, c'est une super sportive, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et tu trouves pas qu'il y a un petit côté Ferrari-Roma, juste très léger. Ça lui va vraiment bien, les phares pincés comme ça et tout. Ah ouais, c'est une belle auto, hein, franchement. Ouais, puis il a toute la techno des Matrix LED, je crois. Tu peux avoir, tu sais, qui décompose le faisceau en fonction. Regarde ça, c'est marrant. Et bien sûr que c'est une belle auto. Et après, on peut s'interroger des heures, pourquoi j'ai envie ou pas. Mais tu vois, toi qui es là, par exemple, tout gris comme ça, c'est pas bandant. Ouais. T'as envie quand même sur une Jag. Tu vois, là, franchement, tu serais dans une voiture de loc coréenne. Regarde le Land Rover. C'est Land Rover qui est devenu Jaguar. C'est terrible à dire. C'est-à-dire que le soin apporté aux intérieurs, comme on l'a vu dans la Defender, comme on l'a vu dans l'Evoque, on a l'impression que toute l'âme british comme on l'aime est partie chez Land ou chez Range Rover, appelez ça comme vous voulez. Et Jaguar, sous prétexte de rationaliser. Mais dans l'Evoque, t'as l'impression que t'as de la maroquinerie, quoi. Viens, on va aller quand même jeter un œil. En plus, aujourd'hui, ils ne vendent que des E-Pace et des F-Pace, hein, faut pas se leurrer. Je sais plus qui nous aime, mais les XE et les XF, ils n'en vendent pas, à part. Et c'est dommage. Ça va bien. Alors, il y a un petit observateur. Bonjour. Ça va bien. Ça va. Mais qui sont des pros presque, vous allez bien. Bonjour. Ton prénom, c'est Germain. Germain, vous suivez POA et vous avez créé votre chaîne de photos. Ouais, c'est ça. Elle s'appelle comment? Les voitures Notre Vie. Tu m'as dit j'ai envie de faire de la pub. Bon, bah on est sympa, nous, on a fait. Ah, mais fais de la pub pour POA sur les voitures de notre vie. Non, mais c'est une chaîne belge. Ouais, c'est une chaîne belge et on est principalement sur Bruxelles. Et t'étais très surpris qu'on vienne. Oui. Bon, alors Jaguar est mort ou Jaguar est vivant? À vous trois, les gars. Allez, répondez vite. Mort ou vivant? Toujours vivant. Ouais, c'est toujours vivant. On voulait aller voir la XE, là, vite fait. Viens voir le tableau d'or parce qu'il a été très bien restylé. Bah pareil, ils mettent que des versions sport. Ils ont presque honte du chrome chez Jaguar. C'est quand même triste. La dernière fois que tu es sur le configurateur. Bah ouais, j'y vais plein de fois. Parce que non, mais et j'aime pas comment il est configuré. Mais regarde là, par exemple, ça y est, t'as la clim comme dans les Range Rover Velar. Vous voyez, ils ont avant il y avait des boutons. Tu vois, ils ont repris le bout du Velar. Ah ouais. Ouais. Ils ont agrandi là. On a l'option truc. Ah, c'est bien joué quand même. Ouais, c'est bien joué. Et là l'écran. Sauf que là c'est rouge et noir. Mais si vous la prenez, vous pouvez avoir tout l'intérieur beige, cuir beige, avec le toit ouvrant. Vous pouvez là avoir un peu de bois, un peu plus sombre. Ça le fait un peu plus. Mais tu la configures un peu comme ça, en 300 chevaux essence, bois, machin, t'arrives à 70 000 euros et personne n'en veut. Non, mais le problème, c'est que, enfin, en tout cas, même on voit, enfin, PO, c'était aussi beaucoup la XJ40 et tout. Ouais. Et ces voitures-là, et j'ai eu la chance de monter dedans, t'avais l'impression que c'était un petit salon roulant et tout. Et en fait, quand tu vois ça, c'est très bien, mais ça s'est tellement standardisé que tu vois plus que en quoi c'est tellement mieux que par rapport tu à... Tu sais, ils le disent en interne, hein. Mais la XE, c'est une business car. C'était comment être dans les loyers des entreprises. Donc, ils ont fait une business car qui n'arrive pas à rentrer dans les entreprises malgré tout, si tu regardes les marchés. Ça reste les séries 3 et autres parce que les directeurs de flotte disent « je peux pas prendre une Jaguar, l'image leur colle au basket. » Et en plus...
le produit est très bon, mais il n'est pas bien meilleur que ce qui est déjà leader sur le marché. À la rigueur, tu prends une Octavia, c'est triste à dire. Ouais, c'est triste à dire. L'Octavia, t'en fous plus dans la gueule aujourd'hui. C'est l'Octavia qui se permet de te mettre du beige ici, de te mettre des trucs. Là, ben, ça va pas. D'un point de vue design, là, je fais vraiment le point sur ça. Ça fait, en termes d'intégration, c'est bizarre, quoi. Alors, je sais qu'il y en a qui nous suit depuis très longtemps, qui veut dire, monsieur Aubry, vous, c'est un parjure. Parce que quand la XE est sortie au Salon de Paris il y a 4 ans ou 6 ans, j'étais emballé, on peut retrouver la vidéo. C'est vrai. Regardez bien en même temps celle qui m'était proposée, elle était tout cuir beige avec un peu de bois, etc. Et la nouveauté faisant que j'avais été emballé de la voir comme ça dans le salon. Mais cette configuration-là, on ne la retrouve jamais, tu la mets toujours en version sport. Entre-temps, le temps a évolué. On l'avait essayé, elle est très agréable à conduire, cette voiture. Mais la concurrence est allée tellement fort en quelques années que j'ai envie de les aimer, mais j'ai... Même tu voulais en essayer une, parce que c'était... Et on te l'a remis nouveau en configuration hyper sport. Ouais, tu vois. Bleu, et puis évidemment, j'ai pas pu la prendre. Enfin bon, ça, c'est pas fait. Mais c'est dommage. Tu sais, les produits sont tellement bons maintenant, on en parlait. Bah, il faut jouer avec un truc en plus qui fait que t'as envie ou pas, mais ça suffit plus. C'est dommage. C'est dommage. Mais... T'es d'accord avec moi, monsieur Manu Sardi? Je t'écoutais pas. Hein, tu m'écoutes? Ah bah tu as bien tort. Tu connais Julien, non? Vous êtes jamais croisé? Non, je jamais croisé. Jean-Marc Manu Sardi, un grand journaliste, oui, plein de choses. Ah, non, mais t'es quand même venu. Oui, j'étais venu voir des Renault, moi. Ouais, et je disais que l'âme des Anglaises, elle est pas finalement toi, partie chez Land Rover et Range, et plus du tout chez Jaguar, qui, à force de faire des business cars, a perdu une bonne partie de son âme. C'est clair. T'es d'accord? Ben, complètement. Je résume bien. Hein. Ben, c'est magnifique, c'est limpide, c'est fluide et limpide. Non, mais t'es d'accord? Quoi? Non, mais complètement. C'est triste, parce qu'on a envie. Land et Range restent des marques de référence anglaises. Ouais. Hein, avec véritablement toute l'imagerie qui va avec. Et Jaguar, maintenant, ils sont dans le grand bain avec les autres. Moi, ils essayent. Hein. Ouais. Mais quelqu'un m'a dit, mais c'est pas étonnant, ils ont embauché que des Allemands à la tête. Ben oui, mais bien sûr. C'est triste. Mais oui, non, mais ils font du teuton. Non, mais c'est terrible parce que j'ai à chaque fois envie d'y croire. Je me dis toujours, ah, quand même, d'occasion, Jag, et puis ça le fait pas. Ah, bah non. Ça sera le mot de la fin. Voilà, on n'y arrive pas, on a envie. Ah, celle-là, regarde. Je te mettrais un badge Kia, tu dirais, non, mais franchement, non, mais, Kia est vachement bien maintenant. Je te mets un badge Kia sur celle-là, franchement, je te parle pas de derrière. Hein. Ouais, c'est quand même mieux qu'un Sportage. À mon avis. Cid, par exemple. À mon avis. Tu l'as dit, j'aime bien le Sportage, hein, par ailleurs. Tu dis Sportage, toi. Sportage, je sais pas comment. Non, mais Kia, c'est vachement bien. On va aller voir leur je sais pas quoi. Là, je les Anglais disent Sportage. Ouais. Non, mais là, devant, non, ça va pas. Là, je fais la polémique, on est en fin de vidéo. Mais mais c'est très bien réussi le facelift du F-Type, c'est bien. Mais ça, derrière, il a réussi ses arrières, Yann Kalou. Tu sais qu'il vient de changer. Mais là, franchement, ça n'a rien de Jaguar. En plus, ça vaut un œil, hein. Mais non, mais ça vaut un œil. Non, mais il y a un moment. Non, mais Julien, là, tout le monde se lâche comme si à chaque fois on allait se faire punir par. Mais monte dedans. Attendez, les gars, montez dedans. Eh, Manu Sardi, venez. Non, mais essayez. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, tu es un tout petit peu plus âgé, mais à peine à 2 ans. T'essayais des XJ40 et des Série 7 quand moi j'avais pas. Je me souviens d'un dîner où tu me racontais les intérieurs des voitures. Ouais, une Jaguar Sovereign contre une BMW Série 7. Voilà, tu m'avais raconté ça, j'ai jamais oublié. J'avais fait le match pour Sport Auto. Et tu me disais qu'à 300, ça vibrait dans l'air passé à travers de la Jaguar. Je teste des doigts. Voilà, pas dans la BM. Mais là, les gars, franchement, c'est à pleurer. Moi j'ai l'impression qu'on est enterré avec c'est ça. Une Jaguar. C'est pas une chère. C'est très triste comme voiture, c'est très triste déjà. Déjà, c'est pas vivant. Franchement, c'est un peu compliqué comme design en plus. Bah, quand on dit compliqué, chez nous, c'est le stade 1 de la critique. C'est abusé. Abusé, ça commence à devenir grave. Et après, on est. Mais non, mais j'ai envie d'aimer, je veux être gentil, c'est une bonne voiture, le problème n'est pas là, j'en suis sûr. Mais l'histoire qu'elle raconte, elle n'y en a pas, c'est pauvre, c'est non, pas rien. Ça va pas. Ça va pas. Moi, je vous le dis, les gars. Le grand silence sera le mot de la fin. Tu sais que ça ne se vend pas. Donc ben c'est en plus, hein. Ouais. Le public a toujours raison. Direct. Le public a toujours raison. Bon, allez, à suivre. On attend la XJ électrique en espérant qu'elle sera bien. Chers petits observateurs, rien ne vaut le test de la rue. Et il y a quelques jours, on était avec Julien, place Saint-Georges. On attendait un petit observateur. Et un capture est passé devant nous, le nouveau. Et on a tous les deux tourné la tête à s'en décrocher la mâchoire, et notamment par rapport à l'arrière, où on s'est dit « Waouh, mais quelle présence !» Et la Clio était déjà très réussie, mais ressemblait beaucoup à l'ancienne.
Alors que là, il y a vraiment un gap. Et ben, on est vachement, vachement séduit par le... Hein ? C'est fou, comme les feux, ça te change une voiture, quoi. Ouais. On l'a vu, elle est passée vraiment, comme tu dis, Place Saint-Georges, et elle était blanche, je crois, pas une couleur extraordinaire ou grise. Et quand elle est passée derrière, on s'est dit, les feux, bah, c'est hyper juste, et ça change tout. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur Renault, etc., tous les problèmes qu'ils ont. Moi, j'ai lu, bon, ça, c'est sûr, d'ailleurs, que l'Espace 5 ne serait sans doute pas renouvelé, voire même peut-être le Grand Scénic, etc. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est le Captur qui devient leur voiture familiale clé. Mais regarde, comme c'est chiadé devant, ils sont allés très, très loin. Là, tous les dessins. Renault est très cohérent depuis un moment, je trouve vraiment. Enfin, depuis un moment. Ça se décline bien et c'est drôle de voir comme il y a vraiment les deux familles, il y a Peugeot, il y a Renault, mais la chance qu'on a, c'est que ils sont chacun sur un territoire et on se le disait, hein, l'intérieur de la Clio et Captur, pareil, est très cossu, voire plus cossu que la 208 dans ses moussages. Ouais, mais c'est ça, après, on a une version avec le petit écran, tu vas pas aimer. Ouais. Mais non, mais t'as touché juste ça et ça là-bas? Non, mais ça... C'est impressionnant, je m'attendais pas à ça. Ouais, bah, c'est doux, c'est presque un édredon. Vas-y, essaie de t'arriver à allumer, toi, si tu mets le pied sur le frein, peut-être. Ils sont entre deux, là. Essaye de... Éclairage pendant 30 secondes. Mais pareil, je vous renvoie. Allez voir la vidéo qu'on avait faite. Notamment, on a la responsable couleur et matière qui explique beaucoup comment ils ont vachement investi là-dedans. Là, on a le petit écran, mais ça passe très bien. Je me demande même si je préférerais pas avoir le petit que le grand, mais... Tu vois. En fait, ce qui est pas mal, c'est que là, ils font plein de... Pareil sur la Clio, c'est plein de petites choses, des détails et tout, et ça fait une montée en gamme douce, et c'est pas mal. Après, bon, j'avoue, j'ai encore un peu... Autant ça sur le Duster, et ici, ça marche hyper bien, je trouve ça vachement bien, autant là, je trouve que quand même, ça fait un peu... Voilà, c'est pas foufou. Mais c'est pas mal, hein. Mais la bataille va être géniale avec le 2008, parce que... Attends, je vais aller voir celui-là, qui est une version initiale. Parce qu'on a deux propositions, je veux dire, à niveau... Et ben merci les Français, quoi. Ah ouais, regarde, c'est plus rigolo celle-là. Julien, viens voir. Il y a la console flottante qui est très belle. Tu peux faire parce que là, il a la grande et avec la boîte auto. Ouais. Là, on est en initiale, hein, avec du pseudo bois là, mais c'est très réussi. C'est pas mal. Ce que j'aimais bien, l'autre, elle était un peu barondo. Je sais pas si t'as vu en bas au niveau du seuil de porte. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre? Ouais. Oui, alors ça, je pense que c'est une option, à mon avis, pack aventure. Mais c'est pas mal, hein. Ouais. T'as vraiment l'impression, genre, oh, c'est parti. Mais franchement, c'est plus joli avec la console flottante, c'est vachement réussi. Tiens, regarde, là, tout s'allume. Si tu peux choper le... Là, t'as le... Mais... Pareil, on va me jeter des seaux et des caisses, mais... C'est plus bandant que dans la XE. Non, mais franchement, Julien, regarde, non, mais... Non, mais tu sens qu'ils recherchent. Il y a des idées. Industriellement, c'est tellement compliqué à faire tout ça, de tenir des prix. Là, on a la version, regardez comme c'est. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais juste regardez comme ce qui est proposé. C'est. On est dans comment se faire striker pour la musique. Hein, c'est pareil, je ne sais jamais comment. Alors, tu vois, ça, c'est le monde moderne. Comment tu me coupes le son vu, peut pas être dans de la source. Je sais pas où c'est le son. Voilà, attends, hop. Voilà. Ça, c'est chiant. J'ai encore jamais vu, parce que là, en fait, t'as différents types d'écran et t'as un écran qui fait vraiment toute la largeur. Je l'ai jamais vu, en fait. Là, tu vois, c'est que ici, l'écran. Ouais, là, ouais. J'ai jamais vu, je sais pas, faudrait voir sur Clio. J'ai pas encore vu. C'est vrai que ce côté incurvé qu'ils ont mis, c'est vrai que c'est pas mal. Ça. Mais les intérieurs là, de Renault, bah, bravo. Ça fait plaisir, voilà. Parce que quand tu vois une Clio 3, Clio 4, ouf. Là, ça commence à avoir de la gueule. C'est une petite étiquette comme tu mets tes celliers, tu vois. Ils doivent se marrer de faire ça. Mais franchement... Alors après, c'est vrai qu'on est dans du statique. Il faut voir tous les jours comment, quand tu traites ta bagnole. Il y a un côté, tout ça devient tellement précieux, tu n'oses plus foutre tes pieds dans la bagnole. Ah, mais quoi, l'effet waouh qu'elle nous a fait dans la rue, c'est déjà réussi. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est capital pour eux. Hein. C'est là où elle... Et encore une fois, je trouve ça vachement intéressant de voir... Comment la 2008 se la joue techno et comme Renault le joue un peu plus cocon, un peu plus confort. Pareil, on fera un 4 avis, mais
tu vois, hop. Ça, j'attends beaucoup Renault là sur leurs différentes motorisations qui vont arriver, parce qu'il y aura des micro-hybridations, il y aura une hybride totale. Et en fait, à part réellement dans la Zoé, la Kangoo et tout, j'ai envie de voir ce qui va se passer en full électrique et où ils en sont. Bon, ben voilà. Bon, ben ça y est, on y est. Regarde, franchement, ça me titillait de m'asseoir dans la version définitive de la Honda E. Et là, on parlait de la classe A, mais alors eux, ils se sont explosés. Même le rétroviseur, là, c'est une caméra. Et là, ils sont bien placés, les caméras. T'es d'accord avec moi, Julien? Je regarde, là, je suis ébahi parce que c'est la première fois qu'on voit vraiment la dernière version. Ils y vont fort! Ils sont allés jusqu'au bout sur les écrans parce qu'on avait peur qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout. Ouais, c'est vraiment. Bah attends, alors après, moi j'ai envie de jouer avec les boutons, mais alors qu'est-ce que. Bah, je sais pas, je voyais tout à l'heure quelqu'un qui regarde. Navigation. Ouais. Oh, c'est gigantesque, hein, quand même. C'est gigantesque, hein. Mais... Bon, alors, déjà, pour les gens, la clim reste séparée, donc t'es pas emmerdé. Ici, c'est les vitesses. Park, marche arrière, drive, t'es pas embêté. Là, les drive mode. Alors, elle a une petite batterie, hein, ils assument. Je crois qu'elle fait 30 kWh ou 35 kWh. Donc autonomie de 200 km. Les gens hurlent en disant. Mais ils font le pari de dire, écoutez, ça sera une voiture semi-urbaine. Mais donc, revenons aux écrans. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe ici, là, par exemple. Est-ce que j'ai une autre. Tu vois, comment j'allume ça, là? Ah, regarde, ça passe de là à là. Mais attends, mais franchement, t'es... Je vais dézoomer, c'est vraiment pas mal. C'est impressionnant. Alors, là, c'est drôle parce qu'en face, c'est presque un cactus. Hein. C'est un petit écran. Sur vitesse, batterie, tout ça. Attends, juste qu'on calcule. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 écrans quand même. Plus celui-là. Ouais, j'ai compté. Ah, tu l'as compté. Ouais. C'est. Alors, ce qui est drôle, alors, c'est vraiment. Et t'as vu ici, là, je sais pas si on va le voir. T'étais mieux avec la boucle. Je pense qu'on peut l'enlever aussi si tu fais comme ça. Il revient avec le canon normal. Sinon, tu fais ça. Ouais, la caméra, elle a du mal, tu regardes, ça bruite. Faudra voir de nuit comment elle s'en sort. C'est toi qui vois ça. Ouais. Ouais, non, mais ça en fait c'est même quasiment aussi de la sécurité. Attends, regarde, bouge pas, Coco. Voilà. Oh, tu me l'as le gros plan. Voilà. Hein? POA style. Voilà. T'arrives à bouger les rétros. Attends, essaie de. Là, regarde, t'as les boutons de rétro qui sont sur la porte comme une voiture normale. Ouais. Ah ouais. Ça marche. Attends. Tu choisis suite droite. Là, t'es sur suite droite, pas sur suite gauche. Non, left, ouais. Là, t'es à right, t'es resté sur la droite. Comment tu sais? Là, j'arrête pas d'appuyer sur left. Non, en fait, faut que tu tires d'abord. Voilà. Ah, d'accord. Ah, ça marche? Ouais, c'est pas mal. Pas beaucoup. Ouais. Un petit peu. Mais c'est totalement différent que sur l'e-tron. L'e-tron, ils l'ont rendu tactile, mais c'est pas plus mal hein, d'avoir un vrai bouton pour le coup. Ouais, ça bouge quand même, regarde. Et hop, là, voilà, je les chope, là. Et voilà, je l'ai. Eh, t'as une belle fille qui passe, tu vois, tu peux avec le rétro, tranquille. Regarde le volant aussi, personne pareil, moi j'aime bien. Franchement, c'est craquant. Alors, l'intérieur zèbre, je suis pas fan, mais tu peux avoir du bois, là, normalement. Regarde, alors, qu'est-ce que c'est, ça, RIP Computer? Mais c'est hyper drôle. 174 km, vas-y, t'as tout, toi. Non, mais regarde. Là, t'as vraiment l'impression que tu peux brancher ta PlayStation, quoi. T'as la prise HDMI, le truc, le AC, tu peux mettre une prise secteur normal. Mais je pense, honnêtement, alors, c'est qu'on n'a pas... L'écran de droite, ça doit être... C'est presque... Regarde. Ouais, tu peux mettre dans l'autre. Hop. Et tu vois, regarde, l'écran de droite, c'est tous les trucs un peu... Regarde. Waouh. Non, mais là, ça lag pas. Hein. Il est bluffé, Julien. Là. Ouais, j'ai fait mieux que lui, là. Ah là là. Bravo. Waouh. Attends, genre, j'adore ça, moi. Non, mais franchement... Ouais, il y a du multitâche, c'est pas mal. Hein. Non, mais les gars, abonnement à Inglodel. Et si t'appuies EV menu, il te dit des petites choses par rapport à la voiture. Où est-ce que c'est EV menu? Ah ouais, alors attends, bouge pas. Bah, je crois que t'es dessus en fait finalement. EV menu. Tu crois? Ah ouais. Ok, voilà. Attends. On est là. USB, je pense que vraiment en fait l'écran de droite, ça peut presque être une télé finalement. Pareil, il y a une prise HDMI, donc l'un dans l'autre, tu peux brancher un lecteur DVD ou un Blu-ray, je sais pas quoi. Mais c'est impressionnant, ils sont allés jusqu'au bout, c'est cool. Franchement, ça donne après, le vrai truc, c'est l'extérieur aussi. Ça et le Defender, c'est les deux voitures que tu as envie d'avoir. Tu as l'impression, tu as de la place derrière. Ah, regarde les éclairages au plafond. Regarde, génial, tu en as 4. Eh ouais, tu as des LED comme dans une piscine. Non, mais non, franchement, attends, faut que je... Hey, portière sans montant. Non, mais les gars. Hey, petite portière là. Non, mais je suis... Hey. Franchement, je suis bluffé quand même. Ça va, la place, portière sans montant. T'as une auto, c'est le monde moderne, ça. Regarde, ils ont mis une musique un peu angoissante, mais...
Bon, le coffre, ils vont nous dire c'est petit, mais... Bah, c'est ce que j'ai... D'accord. T'as un coffre devant, je pense. Ah, bonne question, j'en sais rien. Vas-y. Franchement, mais 20 sur 20, cet intérieur. 20 sur 20. Même les... Bon, il faut celui avec le bois plutôt qu'avec le... Regarde. Hop. Hop. Non, mais on l'aime. Et j'essaie tout d'ouvrir le coffre. Ouais. Attention. Tu cherches jusqu'à Bruxelles ? Bah oui, bonjour. Qu'en pensez de cette voiture ? Alors, vous appelez comment ? Michel. Michel. Donc vous regardez PO de temps en temps ? Je suis abonné à la chaîne. Ah bah, vous êtes un monsieur très bien. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture ? Mais enfin, j'ai l'impression qu'on Honda renoue un peu avec son passé. Son passé glorieux, les petites voitures qui avaient du peps, qui avaient du caractère. On retrouve du néo-rétro. Je trouve que c'est une belle promesse en tout cas. Et puis... Puis ça arrive rapidement sur le marché, donc je trouve que c'est... franchement, c'est vraiment bien vu, en tout cas. Ça démystifie de la bagnole électrique, il doit toujours être moche, quoi. Hein, c'est... Non, mais moi, je suis archi fan. Hein. J'arrête, je fais tellement de compliments depuis une heure qu'on va encore... Mais, oui, puis en plus, c'est du Honda, quoi. N'en déplaise à certains autres, c'est un gage de qualité. Ouais, ouais. C'est quoi, ça, ce carré, là ? C'est là, en fait, que t'as les prises, mais j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir, pas, et ça, si en dessous, derrière... Je pense que c'est les capteurs, mais je pensais pas qu'il y avait autant de choses, en fait, là, d'ailleurs. Bah ouais, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait un tout petit moteur, mais... Ah oui, donnez-moi le prix. Ah oui, 39 185 euros. J'adore votre petit rictus. Il... Ah oui. Bon, ça doit être 39 100... Oui, c'est le prix pour être un vrai bobo. C'est ça. Voilà. Combien vaux-tu, un vrai bobo ? Voilà, bon, 39 exactement. 39 185. Es-tu un vrai bobo ? Chers petits observateurs, nous sommes à Bruxelles, et clairement, pour Volkswagen... Après la Golf 8, le grand lancement qu'ils avaient présenté à Francfort, c'est la fameuse ID3, dont eux-mêmes vous disent c'est aussi important que la Coccinelle et la Golf. On la voit en vrai, c'est la première fois qu'elle est présente dans un salon maintenant public. Alors, c'est intéressant parce qu'on est allé demander les prix, la date de commercialisation, on est en Belgique, ils nous disent on n'a pas d'infos, mais elle est là. Et c'est vrai qu'en voyant cette Golf 8, bah, la réflexion que je me faisais, je me disais finalement tout l'argent... On a le sentiment qu'il fallait vite lancer cette voiture qui se veut super accessible par rapport aux autres voitures électriques et qui va avoir la particularité, mon cher Julien, de proposer trois types de batteries. Tout à fait, pour avoir... mon cher Julien. Mais avant de parler des batteries, juste un mot. On a beaucoup parlé de l'intégration des écrans. C'est notre sujet maintenant régulièrement. Comment tu fais quand tu vois ça ? Moi, ça me fait marrer. J'ai l'impression d'être chez un dentiste moderne. Tu sais qu'il y a les derniers équipements. Et ça bouge. Ouais. Ouais. Oh là là ! Oh là là ! Non, mais... Fais-moi de belles images quand tu parles. Ouais, mais c'est POA. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous vous appelez ? C'est Dorian, moi. Je suis le photographe du stand. D'accord. Voilà. Vous l'aimez bien ? Depuis un long moment. C'est vrai, mais c'est drôle de vous voir. Ben, on est là, en vrai. Aussi comme dans, les vidéos. Elle vous plaît, cette voiture ? Je vais pas me lancer maintenant. D'accord. Non, mais c'est Will. Je roule en i3S. Ouais. Donc, j'ai... voilà, je découvre maintenant... En i3BM, vous voulez dire ? Oui. Ouais, ouais. Une S toute récente. Ouais. Donc, je m'attendais honnêtement à un truc un peu plus quand même... Mieux fini, vous voulez dire, en tout cas. Ouais, grave, ouais. Sauf tout ça, quoi. Grave. Bah, c'est là, on se fait tous... Moi, je n'ai jamais été fan de Volkswagen, donc je prends tout bien, en fait, parce que je ne suis pas déçu. Mais voilà, Julien, il fait, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, non, mais en fait... électrique. Non, c'est Cédric qui dit, mais... On les tous, hein, on les essaye tous. Mais en fait, moi, la première impression que ça me donne, hein, je vais être hyper dur, mais j'ai l'impression que c'est factice, c'est en fait. C'est tellement l'i3, quoi, le petit modo, là, ouais, c'est incroyable. Ça, là, avec le parking, et c'est les vitesses, là-haut. Là. Ouais. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, c'est peut-être tu peux me le rallumer, mais le pied sur les... Il était allumé tout à l'heure, non ? Non, j'ai pas l'impression. Ça se rallume pas ? Plus une tonne 8, quoi, quand même, pour une compacte, c'est... Une tonne 8 ? Je trouve que c'est beaucoup, oui. L'i3, elle fait combien ? C'est pourquoi la mienne fait une tonne 3. Mais il y a du carbone dans l'i3. Mais j'ai le Rex en fait. En plus, le Rex Thunder. Il y a plein de trucs, il y a de la fibre de lin. Je sais, on avait fait une vidéo qui marche bien. Elle est assez incroyable. Et elle reste toujours à part, je trouve, avec les années. Mais la vraie question sur celle-là, c'est le prix. Parce qu'il y aura trois batteries.
Oui. Il y a, là, je crois qu'il présente en 58 kWh, c'est la version limitée d'édition. 58, 67, ça change aussi tes prises. Enfin, ça change aussi le fait que tu puisses charger en charge très rapide ou pas. Les premières, ça va être du 50, après tu pars une option 100, en 100, et après la dernière, la grosse, là tu peux aller jusqu'à 125 kWh. Mais je comprends les mecs qui savent pas ce qui va marcher, tu proposes tout en disant voilà. Non mais c'est juste avec un réseau qui est boiteux et inadapté, c'est ça moi qui me... Ah ouais, même en Belgique c'est compliqué. Bah, si, c'est locataire. Ah ouais, je sais que c'est comme chez nous. Mais vous avez Unity qui fonctionne bien, je pense. Ça commence, ça commence. Chez nous c'est vraiment catastrophique. Ah ouais. Il vous faut une dizaine d'applications, idéalement une dizaine de badges en plus, quand ça marche. Et alors un phénomène qui est assez nouveau, c'est les hybrides rechargeables qui sont en permanence connectés aux bornes. Qui vous prennent la... Ouais, et donc nous on n'a plus de jus et... J'ai une Smart électrique pour Bruxelles, parce que Bruxelles, voilà, ça devient un vrai fan de voitures électriques. Mais en fait, ça, c'est récent. C'est une raison a priori fiscale à la base. Ouais. Et puis finalement, j'y ai goûté. Et le petit coup de pied au derrière, dès qu'on pousse, une fois qu'on est habitué à ça, c'est super chouette. Quoi. Et les 3S, c'est vrai que c'est... Si je vous dis, allez, c'est comme le paquet de... Vous me donnez la i3 et la Smart, et je vous donne la Honda E. Elle est magnifique, la Honda E. Oui, je l'appréciais beaucoup, j'aimais bien le concept, je préférais le concept, le modèle de série je trouve ça bof. Qu'est-ce qui vous plaît pas? L'écran c'est énorme dedans. Mais moi je suis pas, pourtant je suis geek, j'ai bossé là-dedans, je suis photographe donc je suis, voilà. Mais dans ma bagnole je veux le minimum et je veux que ça marche. Donc là il y en a trop. Par exemple la 208, voilà, je trouve ça très chouette mais c'est pas du tout mon truc quoi. D'accord. Et donc la Honda E, il y a trop pour moi d'écran. Alors, vous êtes contradictoire, venez vous asseoir, on fait le débat, je vous ai besoin, vous venez bosser. C'est le concept de POA. Hein. C'est un minimum, vous devriez être content. Mais alors j'ai autre chose, parce que je suis difficile, j'aime pas les écrans tactiles en bagnole. Hein? Parce que je trouve ça, on n'a pas de relief, ça distrait et... Je trouve qu'on quitte plus l'écran de la route qu'un écran qui est reculé avec une petite molette. T'as entendu, il a une Smart électrique. Ouais, alors vas-y, défends le tactile. Non, mais c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Dans la Smart, c'est chouette, ça fait partie du concept. On est souvent ralenti dans les emboutes, voilà, on tripote un peu sur son écran, c'est chouette. Mais par exemple, dans l'i3, moi j'aime vraiment bien cet écran. J'ai Mazda du coup, parce que Mazda, t'as vraiment encore la molette avec. Beaucoup. Et je trouve que le dernier système de Mazda est très proche de ce que BMW fait avec la petite molette. Le MMI, leur nouveau Sky ActiveX, j'ai regardé un petit test sur la 3 et je trouvais le multimédia assez bien foutu. Ça veut dire que pour toi, celle-là, elle a déjà un train de retard, parce que tout dépend combien elle sort, à quel prix, on va dire, en 40. Justement, moi, je sais plus où j'ai entrevu les prix pour la Belgique. Et si on veut un peu d'équipement et quand même une bonne autonomie, on est proche du i3, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même confort. Ici, on est dans une familiale, une Volkswagen que les gens vont choisir pour d'autres raisons. Personne l'a conduite, elle est peut-être, j'essaie de défendre, parce que je pense toujours au réseau. Il paraît que c'est justement, il paraît que c'est. Je me mets derrière, attends, bouge pas. Ouais. Faut m'avancer le fauteuil un peu. Allez. Ah justement, dites-moi ce que vous pensez de l'espace aux pieds et pas aux jambes. Ah bah la cave genou est bien creusée, je suis content. Non mais c'est vrai que nous on avait été un peu dur quand on l'avait vu à Francfort en disant tout ça pour ça. Là en la revoyant, je me dis tout ça pour ça. Ouais. Je sais que c'est la première d'une grande offensive de plein d'autres bagnoles. Mais plein de gens m'avaient dit mais vous n'avez pas lu le concept jusqu'au bout. Vraiment elle se veut très modulaire. Ouais, ils ont mis moins d'argent dans les plastiques parce qu'ils veulent la sortir pas cher. Parce qu'ils veulent vraiment que ce soit la première vraie voiture qui en gros ils aimeraient arriver à la sortir au prix d'une Golf, c'est-à-dire à 25 000 euros. Ouais, voilà, bon, moi j'ai dit bon, ça me va comme discours. Alors vous avez d'autres infos en disant ouais, peut-être qu'en Belgique elle serait à... Mais moi j'ai pas eu comme premier prix 25 000 en tout cas. J'ai pas retenu les prix, mais je me souviens m'être dit bah oui, finalement on dit que l'i3 est cher, mais considérant que visuellement on savait quand même qu'on allait un peu s'attendre à ça. Hein, ça on dirait alors, des alors ça on en parle, on en parle dans 20 000 km. Ouais. Parce que l'i3 a aussi un intérieur beige et moi en m'étant renseigné avant de l'acheter, j'ai pas pris le beige notamment pour cette raison-là. Et puis voilà, moi c'est surtout la sellerie, enfin tout ça, je sais pas, j'arrive pas. Et non mais ça fait cheap, faut être honnête. Mais alors ce qu'ils vont faire, c'est comme Tesla, ils vont vendre ça comme du cuir vegan, alors que c'est du Sky. Je vous ai coupé quand vous dites, je connais peut-être quelqu'un qui l'aurait conduite, c'était quoi l'info? Parce que j'ai personne la conduite. Des privilégiés qui ont pu le conduire sur circuit en Allemagne, mais qui n'ont pas pu tirer dedans. Et qui disaient, on est un peu frustrés. Mais malgré tout, qui manifestait le fait de quand même ressentir la masse. Et c'est clair que, par exemple... En même temps, c'est pas fait pour être conduit sur circuit. Non, complètement. Si je les suis, en gros, il faudrait que cette voiture, que madame tout le monde amène les gosses et aller faire les courses, et puis on fait un week-end. C'est juste ça doit faire le job. Et à mon avis, ça a quand même
plus plaire à madame que je pense à... Je suis voilà. même pas sûr, moi. Non. Vous savez, c'est comme les femmes, maintenant, elles veulent des grosses montres d'hommes et tout. Je sais pas. Elles veulent rouler en Touareg. Limite, ouais. Mais bon, en même temps, il y a tous les goûts, parce que toi, t'aimes pas la Honda E. Moi, je suis fan, genre... Mais si, en fait, j'adore. Je me suis mal exprimé. Moi, je suis pas geek, mais elle me fascine, justement. Mais elle... Je trouve que c'est vraiment une... Allez, c'est une Civic des temps modernes, ouais. quoi. C'est belle, vraiment ça. Ils ont réussi, je trouve, sur ce point-là. Mais la version finale, là où je suis triste, c'est qu'elle aurait pu se positionner comme une voiture plus populaire, avec peut-être un brin d'autonomie en plus et un budget un peu plus serré. Attends, je suis super étonné. Bon, Cédric n'est pas là, mais ça fait quoi, 10 minutes qu'on parle d'électrique? T'as pas dit le mot Tesla depuis 10 minutes. Mais dans non, la 2, parce qu'on... tu rêves d'une Model 3 ou Non, parce que scandaleusement, j'ai pris l'i3S full option, qui me correspondait beaucoup plus au niveau de ce que j'aime dans une voiture quand je conduis et au niveau de mes valeurs personnelles aussi. Et j'avais la performance, je devais un peu rajouter, mais j'avais la grande autonomie avec voilà, sans prendre trop d'options quoi. Ouais. Pour le même budget au niveau de mon renting. Alors j'ai tout fait. De tomber sur toi, parce que c'est hyper intéressant. Mais même c'est dingue titre, de tomber sur vous parce que le c'est le débat en ID3 quoi. Non mais c'est ça le truc, tu vois. Mais il y a un gros, on en parlait tout à l'heure parce qu'on est plusieurs photographes, on en parlait par rapport à ce qui, voilà, à ce qui est en train de se passer ici il y a un an. Ça c'était un concept qui était là et qui avait la tronche du buggy à peu de choses près. Vous vous rappelez du concept avec le volant, voilà. Et là on sent vraiment qu'il y a quelque chose. Mais moi je me dis, mais les gens qui vont acheter ça, qui vont brancher ça chez eux, d'accord. Mais comment ils vont faire quand ils vont devoir enchaîner des trajets un peu longs, ce qui moi m'arrive, quand ils vont devoir bouger, les brancher à gauche à droite. J'ai aidé un Français tout dernièrement du côté de Namur, ici en Belgique, qui venait d'acheter une... je sais plus quel modèle c'était... une Kia... allez, ce modèle un peu une Issoul, oui, voilà, c'est ça. Et d'occasion, 160 km a priori en moyenne d'autonomie. Ouais, et il était en train de se battre avec une borne en disant « Mais comment je fais, quoi ?» Et moi, je suis arrivé, j'étais entre deux boulots. Je savais que la borne rapide était là. Je savais que j'allais charger un peu, que j'étais bon pour les deux jours qui suivaient. Et j'arrive et je le vois garé en ciseaux sur les deux places avec son téléphone, sa carte. Et donc, j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu. Et il a jamais su amorcer sa charge. Et vous n'êtes pas arrivé? Non. Il avait... Sa carte de crédit n'était pas acceptée dans l'application qui permettait de recharger. C'est toujours le même problème. Évidemment, il ne peut pas commander un badge et l'avoir dans la seconde qui suit. Donc, le bon plan, c'est une appli. Toi, tu as combien de badges, du coup? Comment tu fais? Moi, j'ai une dizaine d'applis et j'ai 3-4 badges. Dans chaque... Une dizaine d'applis. Ouais, c'est nécessaire. Je me rabats toujours vers les 2-3 mêmes. Je ne sais pas si tu as vu, on a fait deux gros road trips avec Julien où... Bon, on a eu plein de problèmes, etc. Il y a des gens qui nous engueulent en disant « Vous y connaissez rien, un peu de préparation. » Mais la plupart des gens ne la font pas, la préparation. Et c'est comme si demain, tu étais obligé de... Ils ne se rendent pas compte, les gens. Tu as deux voitures électriques, finalement. Ouais. Et il s'y connaît vachement et tout. Et bah, tu as une dizaine d'applis, tu vois. Ouais. Non, mais surtout, il a une dizaine d'applis, tu vois, pour pouvoir le faire correctement. Tu as une petite, peut-être plus 2-3, mais c'est quand même... C'est ahurissant, tu vois. Et alors, la crème des crèmes, c'est que... Donc, dans les applications qui référencent des bornes, donc elles sont vertes, elles sont là, elles sont libres, il n'y a pas le bouton start. Donc, on a accès à la borne, elle est libre, elle est là, on est devant, on a l'appli et on ne peut pas l'amorcer parce qu'ils se tapent dessus au niveau des accès, des contrats et que, ouais, elle est référencée, mais on n'a pas encore vraiment la possibilité. Alors, donc, on quitte, on change d'appli. Parfois, on amorce une borne avec une appli, donc elle est verrouillée, donc plus disponible sur l'autre. Mais comme l'appli est plantée, on ne sait pas la déverrouiller. Non, c'est vraiment... Je vais continuer à rouler avec mes gros V6 et mes gros V8. C'est assez impressionnant. Bon, allez, on va sortir parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer. Ils se disent « Merde ». Il y a tout le staff Volkswagen qui t'a entendu parler. Ils se disent « Merde, sortez-le !» Sortez-le. On fait un petit selfie avant de... Il est en train de nous tuer la voiture. Ouais, on coupe. Ouais. Chers petits observateurs, nous sommes au Salon de Bruxelles et l'une des vedettes... présente aujourd'hui, c'est la Mazda MX-30 qui avait été dévoilée au Japon. On va pouvoir s'approcher. C'est encore ce modèle-là, une pré-série. Donc ils nous ont dit, faites très attention. C'est la première voiture électrique de Mazda. Et ils font rien comme tout le monde. C'est un petit coupé SUV. On aura le designer tout à l'heure qui nous parlera en anglais. Mais vous voyez, il y a des petites portes antagonistes qui s'ouvrent. Ça rappelle la RX-8. Il y a plein de clins d'œil. Cette voiture est très intéressante. Elle est dans la lignée, j'ai envie de dire, de la Honda E. Pourquoi je vous dis ça? C'est que Mazda a délibérément choisi de mettre une petite batterie qui fera 35,5 kWh. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Audi e-tron, c'était 90 kWh. Ce qui a l'avantage de faire une batterie moins lourde, qui prend moins de place, coûte moins cher à fabriquer et qui aussi, suivant leurs mots, serait
moins polluante à produire sur le cycle de vie. On va s'approcher, hein. on va rentrer dedans. Et ils ont, comme toujours, Mazda ne fait rien comme tout le monde, puisque ce format, si vous voulez, avec les petites portes arrière, je crois qu'il n'y a pratiquement pas d'équivalent. Vous voyez, il n'y a pas de montant. Le montant central, il est là, dans la portière. Et du coup, ça donne ce côté, surtout avec les cuirs blancs, une assez belle ouverture. Ça, Mathieu, j'ai entendu que ce serait des bouteilles recyclées ou j'ai mal entendu? Oui, voilà, c'est apparemment 100%, c'est du plastique PET, donc ça vient de bouteilles recyclées. Mathieu Leroux, vous avez reconnu, qui est chez Automobile Propre, mais qui a marqué POA de son empreinte. Et donc, j'ai bien entendu, c'est du plastique. Du plastique recyclé, c'est ça. Alors que là, on dirait un tissu. On dirait un tissu, effectivement. Il n'y a pas de différence au toucher. Enfin, voilà, on ne pourrait pas le deviner comme ça. Pourrait pas, ouais. Mais ça veut dire que là aussi, tu crois que c'est du plastique? Non, pas sur le tissu des non, sièges. Non, pas le tissu, non. D'accord. Il y a juste le cuir vegan qu'on voit ici sur le. Mais c'est quoi le cuir vegan? C'est du synthétique. C'est du plastique. Ça vient pas de matière d'accord. animale. Ouais, d'accord, on tue pas les bêtes. Et alors, il y a du liège, ce qui tue. Parce que, soi-disant, ils auraient été, il y a 100 ans, producteurs de liège, là aussi, j'ai bien entendu. Oui, ils ont démarré comme producteurs de liège. Je ne connais pas l'historique ouais, de mais c'est ce que j'ai entendu. J'ai très des doutes sur mon anglais. Et en plus, là aussi, donc, il est recyclé. Enfin, il provient de matières qui n'ont pas été utilisées pour... Alors, là aussi, c'est léger, quand même. Hein. Il y en a un petit peu dans la... Julien, non, mais attends, ce qui est beau... C'est pour ça que ça me fait penser à la Honda. Il y a la console flottante qui a l'air comme ça d'être posée... C'est assez joli. Alors, on retrouve leur écran, celui des CX-30. Mais là, il y a un autre écran, là. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, il ne doit pas marcher. Il n'a pas le droit de toucher. Mais en fait, je ne pensais pas qu'il y avait encore ça. J'avais vu quelques photos, mais je n'avais pas fait attention. Je pensais que vu qu'il y avait un écran ici, soit ça l'amenait directement sur l'écran du haut, soit je pensais que tout était tactile. Je ne pensais pas qu'ils ont gardé leur molette. Et effectivement, tout l'intérieur, c'est des matériaux qui disent « durable ». Ouais. Mais bon, moi, comment tu réagis, toi, quand ils te disent, voilà, on fait le choix de faire une petite batterie pour qu'elle soit moins lourde, moins chère à produire, enfin, à acheter, qu'elle soit moins lourde pour la voiture, etc., etc. C'est un parti pris presque unique. Enfin, un parti pris. Je pense que c'est un positionnement. C'est, en fait, dans ce qui m'a été confié, c'est que au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, essayer de plaire à une certaine catégorie de personnes qui se disent, voilà, ça va être une seconde voiture ou une voiture urbaine. Mais Mathieu, c'est une segmentation. Tu es très sensible au sujet. Oui. Tu n'es pas chez Automobile Propre par hasard. Non. Tu suis beaucoup aussi la mobilité alternative. C'est pas du pipeau. Tu parles de... Ça, tu es sensible à ce discours automobile de dire on fait une batterie plus légère parce que ça quand même, reste quand même une voiture. Mais alors, de dire. Il y a effectivement la réflexion autour de l'impact environnemental de se dire voilà, on fait une petite batterie parce que c'est un impact moins grand qu'une grande batterie comme sur une Tesla, une Audi e-tron ou consort. S'ils vendent 10 millions de voitures, ça revient au même. Mais voilà, oui, après, donc c'est l'impact voilà, individuel sur une voiture. Après. Il y a aussi un aspect, voilà, si on veut vendre moins cher, ça permet de vendre moins cher aussi la voiture. Le prix est attractif, ça joue aussi là-dessus. J'étais étonné, elle sera vendue 35 000 euros. 34 400 euros sur l'édition de lancement. Sans la déduction. Sans le bonus, le bonus c'est 28 400 euros. On enlève les 6 000 euros de bonus, on passe à 28 000 euros. Franchement, moi je trouve que c'est bien pricé. Ça se positionne mieux par rapport à une Leaf, même par rapport à une Zoé. Une Zoé, c'est pas beaucoup moins cher qu'une MX-30. Alors on a que 200 km ou 250 km. Après, l'autonomie est inférieure. Mais ça donne envie, non, Julien? Tu prends ta tête qui n'a pas décidé encore, je te connais. Non, en fait, j'ai envie de voir. C'est pas pour faire le running gag à effort, mais juste en fait son efficience. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des petites batteries, forcément, elles devraient être pas si lourdes que ça. Donc, efficience, donc moins de consommation au kilowattheure. Donc, du coup, tu as une autonomie à peu près correcte. Donc, j'ai hâte de voir ça. Après, effectivement, par rapport au prix, on a fait la MG qui est à 23 000 c'est plus cher là. Mais t'as quand même une Mazda avec tout ce qu'il y a derrière Mazda, c'est bien fini et tout. Le seul petit hic que je trouve, c'est au niveau de la charge rapide. C'est fini en même temps, mais la charge rapide en fait elle sera bloquée à 50 kW. C'est sûr ça. Ouais, bah c'est ce que j'ai lu sur leur site. Hein. Et c'est un peu gênant parce que, ok, la batterie est plus petite donc tu vas quand même forcément charger plus vite pour la remplir. Mais ça veut dire que tu vas sur une Ionity, tu vas bien attendre 40 minutes. Donc ça te fait une pause, mais ça te fait une belle pause. Autre truc par contre sympa, le fait qu'il y ait une petite batterie. À la maison en domestique, quand on avait ces e-tron, on était entre 38 heures et 25 heures, truc comme ça. Là, normalement, 11 heures avec une prise domestique, t'es bien quoi. Et là, il t'offre la wallbox aussi d'ailleurs. L'édition, c'est pas mal. Mais ouais, je. Oups, sorry. Et. Ils ont annoncé, c'est pas, on ne sait pas encore, mais elle sera
il y aura, et ça je trouve ça très malin, dans quelques temps, un prolongateur de batterie qui sera disponible. Ouais. Et regarde ce que nous a dit le mec sur l'i3, sur la BM, qui est le petit observateur qui est monté avec lui. Il dit, mais il s'en sert tout le temps, alors qu'il ne le propose plus chez BM, cette idée. Ouais. Moi, je trouve ça très tentant. Il y a des gens qui disent que ça va être avec un moteur Wankel. Non, mais il n'y a jamais entendu d'autres qui disent que c'est un moteur hydrogène, d'autres, enfin, il y aurait un moteur hydrogène, une pile à combustible. J'ai tout lu, qu'elle pourrait avoir toutes sortes de... On va aller demander au patron de Mazda, quand même, deux minutes, deux mots, parce que c'est un lancement important pour eux. Hein ? Mais si ! Bonjour monsieur Mazda France, vous allez bien ? Bonjour monsieur. Mais on a de la chance que, souvenez-vous, la Mazda 6, à chaque fois on se voit tous les deux ans. À peu près. Hein, à peu j'ai près. De la chance. Je suis tombé de la chaise. Vous pouvez me redire le prix de vente ? Alors, le prix de vente, c'est 34 400 euros, ouais. Moins le bonus pour ouais. les véhicules électriques de 6 000 euros, donc 28 400 euros pour ce modèle-là. Et loyer, si on la prend en LLD ? À 329 euros, avec un premier loyer à 2 950. Vous avez réfléchi votre coût. Alors, c'est la première Mazda électrique. Tout à fait. Vous avez le vent en poupe, mais vous qui connaissez bien la maison, vous la managez en France, au pays. Qu'est-ce que vous espérez ? Qui vous voulez séduire avec une voiture qui, objectivement, dit on n'aura que 250 km d'autonomie, je ne sais pas ce qui est annoncé. Oui, elle est de l'ordre de 200 km d'autonomie. Voilà, qui dit non, ça reste une urbaine. Mais comment, voilà, comment vous allez nous la proposer ? On veut séduire tous les gens qui, en moyenne, font 50 km par jour. Des gens qui sont en habitat particulier, qui donc peuvent facilement accéder à un branchement électrique, soit avec un chargeur, soit avec une prise renforcée. Et pour ces personnes qui sont, je dirais, des gens qui commutent de leur maison, soit à une gare, soit au travail, c'est un objet au quotidien qui leur apportera un service total, complet. Mais je suis d'accord, ça on le lit partout, vous le savez comme moi. Vous avez des études précises sur le nombre de personnes réelles qui peuvent être... Parce que ça, on l'a toujours entendu, mais pour le moment, à part l'hybride rechargeable... les gens ne sautent pas encore tant le pas que ça, ils veulent une voiture complète, quoi. Alors, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui confondent leurs besoins avec l'autonomie. Ouais. C'est-à-dire que des gens qui projettent leur usage par la voiture thermique et voudraient avoir, avec une voiture électrique, le même usage. Mais demain, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une voiture électrique, vous rentrez chez vous, vous la branchez, vous partez, vous la débranchez avant... Ouais. Et vous prenez votre voiture électrique. Pendant ce temps-là, tant que vous l'utilisez pas... Il faut avoir donc la maison avec le garage et tout. C'est la cible idéale, et c'est exactement la cible sur laquelle nous travaillons au jour d'aujourd'hui. Je vais poser la question différemment. Pour vous, si tout se passe bien, c'est combien d'unités, justement, par rapport à ce marché naissant ? Vous estimez en vendre combien en année pleine ? Alors, l'année prochaine, on envisage au lancement sur les quatre derniers mois de l'année... Parce que c'est en septembre. Voilà, d'en vendre 800. En année pleine... on est aux alentours de 1500, 2000. Ça va, là encore, dépendre... Oui, ça reste raisonnable, ce n'est pas des chiffres. On est encore sur un marché émergent. Ce marché, il s'accélérera en fonction de la validation de notre offre par les clients, premièrement, parce qu'effectivement, on a une vision très claire de à qui on veut s'adresser. Encore faut-il que ces gens-là viennent vers nous. Mais je pense qu'avec la proposition que nous faisons, le positionnement prix que nous leur offrons, on a de vrais arguments à faire valoir. De toute façon, c'est une stratégie mondiale, cette histoire de batterie, de prix d'attaque, etc. Enfin, une stratégie mondiale, tout à fait. Plus spécifiquement européenne, puisque Mazda a fait le choix de lancer la voiture électrique en Europe, parce que les conditions qu'on va qualifier écologiques sont réunies en Europe. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions du monde. D'accord. Alors, dernier point, si on fait juste le tour avec vous, on verra le designer tout à l'heure. J'arrête après, c'est ça, il est pris. Je termine juste. Mais vous la destinez à des familles ou à des jeunes urbains ? Parce que c'est entre les deux. C'est un coupé, j'en ai pour une minute, voilà. Je n'ai pas prévu, je Alors, vole. En l'occurrence, c'est typiquement un véhicule pour une famille urbaine. Donc, typiquement, le véhicule, par exemple, la deuxième voiture du foyer, pour accompagner les enfants à l'école, pendant leurs activités, aller faire des courses, en jeune. Petite famille. Voilà. Ok. Merci, je vous ai volé votre temps. On se reverra, on en reparlera. Voilà. Mais je suis fasciné, bravo pour le prix, parce que vous m'auriez dit 10 000 de plus, j'aurais acheté quand même. Good afternoon, you. Do I look at the camera or do I look at you? Me and the camera, we've got two cameras. Oh, don't worry. You designed this car.
We designed this car. We designed this car. Yes. How many people at the design club? We have, in total, globally, 300 people. 300 personnes travaillent. Yes, but my in Europe we have a team of only 20. Okay. My first question is very simple, about the name, yes. MX30. Mm-hmm. When the team designed this car, were you thinking about the MX5? Est-ce que vous pensiez à la MX5 en la dessinant? In a sense, yeah, we knew it was going to be a special car. And in the past, all our special cars, not just the MX-5, had the name MX. It was yes. always cars that had special technology or special design. Okay. But could you understand that for someone who's got an MX, he would say, MX is a roadster, and this is the SUV coupe. So it's a different expression of the fun you have with the MX-5. Okay. You will not have exactly the same kind of fun and excitement with the MX-30 as with an MX-5, but it will be different than with your normal Mazdas. Okay. Another thing very interesting about the door, because you tell it in the presentation, it's clearly an homage, a view about the RX-8. What was the first idea you've got, well, your team, or it came with the think about the car? It came very early because we wanted to create this kind of open space yeah. and this practicality and giving the people the freedom to move into the car. And those freestyle doors were the solution. Yeah. And as I said in my presentation, it's just cool. Fantastic. I agree, but it was an idea from the design or for the marketing? Because usually financial, you would say it's more expensive, I imagine, or exactly. less practical. Or I don't know. Design where does the idea design come from? Design has you? Been yeah? insisting. Yeah. So you win that. We win. Sometimes we win. Well, most congratulations. Of the time we win. Another thing you said, the CX-30 and the Mazda 3 are sunshine, something like that, about the design, very warm sunshine. And you said for that car, we want something more modern. Not less sensual, but without this sensual line. I didn't understand exactly what the idea for the electric. You say we want something more simple, let's say? More simple, more modern as well, but without going too modern and too futuristic. It's also for us an exercise in expanding our Kodo expression. Yes. And could you sum up Kodo, le design, le langage de design de Mazda, c'est Kodo design. Could you explain it for someone who doesn't know what it is? Well, it's in the second phase of Kodo, it's about creating motion and emotion with the least possible elements. It's very pure. Yeah. And so really pure surfacing. Also making sure that we don't use elements that we don't need. And that's really tough for a car designer, because normally a car designer wants to put a lot of elements on the car. But we concentrate on the elements we have and refine them, like the surfacing, the details. And that's what we did with this car as well. Could you show, there's less people, could you just show me one? Because for instance, at the back with the name of Mazda, oh cool. I love this part, you know. It's what is on the beginning, or I love the way they said, okay, it's a Mazda. We've done this very often on sketches. Yeah? But we were always being told, no, you have to use the logo. So it's the first time that we actually I love do it. This. I don't know and why, but in our new typeface as well. So that's, again, design one. but yeah, you can see, for instance, here, it's simple, but if you look at the curvature and the way everything runs, we've done it with the same passion and knowledge as we've done with the other cars, which are more sensual. This is more modern. Does the design ask to say to the public, I am an electric car? Is it a big deal or at the end, no? We say, it has to say, I'm a Mazda. Yes. And I think in the beginning of electric cars, maybe 10 years ago, the manufacturers that had electric cars wanted to kind of show it. Yeah. I think in a maybe too futuristic way. I think now is the time where electric cars become normal and you don't have to show it anymore. And we obviously also didn't want too futuristic, too alien to the people. Yes, you say, we don't want to make an alien. Yeah. But at the end, you succeed because the car is, as you say, modern, a normal car, but on the other hand, quite different from all the other proposals. So it's a balance. Could you open the door? Sure, yeah. You work also with your team on it, but it's another world. I mean, I love it when I open the doors. Yeah, yeah. I used to be an interior designer, so for me, it's always been. Okay. And
So you respect that couleur matière. The fact that you can see the whole interior. Normally you have a... Yeah, a B-pillar. And then you don't see half of the interior. But now, and especially when the both doors are open, it's a bit like a, you know, a traditional Japanese house with sliding doors. You open on both sides and you look through the house and you see the garden behind it. And it's empty, but then you see the garden behind. It's really sensual. On the other hand, I read that someone told me that the car was at the beginning more for European customer, at the launch of the car, not in. So, is it Japanese people who decide at the end of the look of the car, or is it more European, or it's not a question? It's always a global effort. Yeah, globally. The design team, as I said, we're 300 people. Sounds a lot, but for a car design department, it's relatively small, and so we are in constant contact with Japan and America. Just last word about the back. Yeah. I love the design also. We see a little bit the MX-5, but we have the feeling with the LED and new technology, we can really have fun with the lights. It's a pleasure for a designer to invent something. It's a new opportunity, no? I know, but I think for us the opportunity, especially on the front, is because of LED, to make everything smaller. Let's go on the side. She said, you love it, huh? I love the way you... So you can see, and the experimentation for us is how can we use LED to make what we want a pure design, and not how can we use LED to make show. Yeah. And I think this works much stronger. Show and being fashionable works for half a year or a year, and then it becomes obsolete. And we don't want to be fashionable or trendy. We're doing what we believe as designers is the right thing for a design. Okay, thank you, Jo, for the explanation. Thank you. Good job. Can be proud for all the brand. Say congratulations to all your team. I will. Because we really love the brand now, and it's cool. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. À Bruxelles, au salon de l'auto, et on n'a pas résisté à l'envie de monter à bord de la Porsche Taycan, parce que c'est quand même un beau spectacle. Et nous sommes avec... Philippe. C'est adorable, parce que vous allez nous consacrer 5 minutes. On avait envie que les gens voient quand même... La voiture, il y a déjà eu des essais, il y a déjà eu des... Bon, voilà. Mais quand même, tout le monde n'a pas la chance de monter à bord. Et c'est une telle claque, c'est un tel virage, que j'avais presque envie... On se dit qu'il y a une formation de 120 heures pour savoir avec tous ces écrans. Qu'est-ce que vous expliquez aux gens, quoi? Non, en fait, au niveau de l'utilisation du véhicule, il s'agit d'un véhicule que vous allez conduire comme tout autre véhicule. L'avantage maintenant de trouver dans la Porsche Taycan des tableaux de bord Il y en a combien digitaux. Déjà En fait, pour le moment, il y a l'écran qui est assez nouveau, c'est le Porsche Curved Display 16,8 pouces, qui est tout à fait digital. Vous avez donc plusieurs... Les boutons de phare, par exemple. Plusieurs boutons, voilà, sur les boutons de phare. Vous pouvez, par exemple, modifier les vues sur l'écran pour, évidemment, non pas les régimes moteurs, mais d'autres systèmes de conduite, comme les panneaux de signalisation sur le cadran ici au milieu. Évidemment, plus de compte-tour comme c'était assez classique. Bah ouais, Porsche, évidemment, c'est le compte-tour. Vous avez quand même gardé le mot turbo. C'est maintenant, voilà. La vitesse ou d'autres, vous pouvez par exemple montrer la carte. Il y a moyen de montrer la carte au niveau de la navigation, sur la navigation, le PSM, le Communication Management System. Mais vous pouvez également reproduire la navigation ici. Ça, on le voit déjà sur certaines voitures. Avant de faire tout le listing, je voudrais juste revenir sur la vue d'ensemble. Donc là, on a toute la platine qui est donc... Ça, c'est climatisation. Climatisation ou les médias pour radio, par exemple, où vous pouvez soit ici avec les touches tactiles sur l'écran central. Tu l'as, Julien, c'est bon, ouais, que les gens voient bien. Sur l'écran tactile ici, choisir tout mode, la configuration du véhicule, les médias, téléphone, navigation et d'autres, comme sur la climatisation. Donc, il y a plusieurs moyens d'aller chercher l'info. Sur la navigation, par exemple,
Ouais, je vois. En plusieurs ça écrans. Continue là. Est-ce que c'est et un écran la ça possibilité sur la Porsche Taycan, ça c'est une première. Je ne peux pas le montrer sur le véhicule ici. C'est un tableau de bord, un écran spécifique pour le passager. Alors le passager qui aura vu sur la navigation, sur d'autres thèmes, voir sur de médias, ou... ouais. Mais pas voir de film. Donc à l'avant d'un véhicule, vous ne pouvez tout. Mais là, ça sera une option ou ça sera en série film. Là, il marche pas. Parce pas de série, non. C'est une option, donc d'avoir cet écran-là en plus. Le petit levier de vitesse là qu'on commence à retrouver maintenant dans tout le groupe. Donc on a en fait juste RND. Voilà. Donc c'est une boîte automatique. Nous allons soit aller en marche avant, soit en P parking pour garder le véhicule bien sur place. Ou bien en marche arrière, ça c'est avec le levier ici, avec le sélecteur. D'autre part, il n'y a pas de... Même s'il s'agit d'une boîte automatique, à nouveau une première sur cette voiture, sur la Porsche Taycan, il y a une boîte automatique à deux rapports qui se trouve sur l'essieu arrière, avec le moteur à l'arrière. Donc vous savez que Taycan, il y a un moteur à l'avant sur l'essieu avant et un moteur à l'arrière, mais également une boîte à deux rapports. Premier rapport assez court qui permet des accélérations fulgurantes depuis le départ ou à partir du départ, de l'arrêt. Et puis le deuxième rapport qui passera pour avoir beaucoup plus de réserves encore sur des vitesses plus élevées. Mais le sélecteur, c'est marche avant, marche arrière, P parking, puisque la boîte change ses rapports en fonction des besoins, en fonction de l'appui également sur l'accélérateur. Vous disiez, il y a deux moteurs. Quelle est la puissance cumulée des deux moteurs en fait? Ben, vous pouvez aller en fonction de la gamme. Donc, il y a Taycan 4S jusqu'à Turbo S. En Turbo S, ça va jusqu'à 761 chevaux, ce qui est terrible, pour permettre une accélération... Ça fait combien de kilowatts, ça, 760 chevaux? 560, et donc de passer à 2,8 secondes, de 0 à 100. Pour l'avantage. Porsche, c'est très important de garder le ruban bleu de la super sportive. Pas que pour, pas que pour Porsche apparemment, mais il est très important, non pas uniquement d'aller chercher ses exploits au niveau performance, mais aussi de pouvoir les répéter. Oui, c'est ce que j'avais lu. Et là, le Taycan, justement, à certaines autres voitures, c'est qu'on ne perd pas en puissance et en performance à accélération répétée ou à accélération depuis le départ répétée. Ouais, j'ai dit des tests par des... magazine anglais, ils vont dans la montagne, ils font des accels dans tous les sens, et on ne perd pas, la batterie ne se met pas en mode c'est défaut. Ça, c'est ça. Certains autres véhicules électriques jusque-là ont un problème au niveau de la gestion de température des batteries, par exemple. C'est la cible. C'est la première batterie qui pourra encaisser du 350 kWh, ça j'avais rêvé, ou pas, du super ouais, chargeur un jour. Super chargeur de 270 kW. 260. 270. Vous pouvez aller jusqu'à 270 kW et pouvoir charger la batterie de 5 à 80%. En 22 minutes et demie. Donc ça, à nouveau, c'est l'extrême. Dans l'autre cas, pour aller chercher de l'autonomie, dans une conduite sportive, ou avec une conduite sportive, vous pouvez même aller rechercher, récupérer jusqu'à un tiers de l'autonomie, rien que par la récupération d'énergie sur la décélération, sur le freinage. Donc en fait, il faut envoyer très fort et freiner très fort. Voilà. Balle tout le temps. Maintenant, freiner très fort, là aussi, c'est assez nouveau comme système, pour pouvoir régénérer de l'énergie. Au premier freinage, par exemple, vous roulez à une certaine vitesse, au premier freinage, ce que vous n'allez pas faire, c'est tout de suite actionner les freins sur les roues, comme c'est classique, mais vous allez d'abord utiliser la récupération d'énergie, et ensuite... le frein mécanique se mettra en plus et ces deux systèmes vont travailler en symbiose parfaite. Il y a des diamètres de disques là qu'on a vu devant qui sont gigantesques. C'est des freins carbone ou quoi de... Regardez, on va sortir, on va aller regarder un peu la roue et le physique de la voiture. Mais dehors là, venez, il faut le voir, c'est impressionnant sur la... Regardez. Je ne sais pas par cœur. Il n'y a pas besoin de connaître freins. Le truc, mais regardez la taille. C'est énorme. On a l'impression que la roue est pleine presque. C'est très très impressionnant. Donc au niveau des freins ici pour Taycan, il y a, comme c'est déjà le cas sur d'autres Porsche, la possibilité d'avoir des freins classiques. Du céramique. Il y a ici le céramique, ça c'est l'extrême. Et il y a aussi le surface coated braking, comme vous le voyez ici.
qui va vous permettre une bonne autonomie au niveau du freinage, mais sans avoir aucune poussière de freinage, par exemple, comme c'est le cas sur cette voiture-ci. Alors, on n'aura pas les poussières de noir. Avec là. Ces freins-ci, justement, il n'y a pas de... Ouais. Veux-tu sortir ? T'es bloqué quand même. C'est hein. Enfant. Alors nous allons modifier ça. Ah, vous allez modifier. Voilà. On va faire ça. Ah, voilà. Très beau derrière le petit... Le Est-ce que le Porsche est éclairé ? Je vois pas. Parce que là, on l'a pas non, filmé. Quoi. Non, mais c'est une belle voiture. Hein, c'est une belle voiture. Le coffre, on peut regarder. C'est un haillon ou c'est un... Donc, il s'agit... Ah. Ne pas oublier que vous avez dans la Porsche Taycan également le coffre à l'arrière, comme vous le voyez ici. Puisque les batteries sont placées vraiment en dessous des sièges, vous avez toujours un beau volume de coffre. Tout comme il y a, un peu comme la Porsche 911. Devant, ouais. Du coffre un coffre devant. Ouais. Mesure combien, vous savez ? 5 mètres, non ? Un peu au-dessus de... Un peu au-dessus de 5 mètres. Grande voiture, quoi. C'est les feux qu'il faut regarder, moi. C'est ce regard qui est... Avec les quatre phares, elles rond au milieu. Moi, j'avoue que c'en est tellement que, tu vois, c'est le menu dégustation dans le 3 étoiles. Tu sais, t'as tellement de trucs, tu sais plus si tu, voilà. Bon, ben voilà, on a... Non, c'est très impressionnant. Ça va être très intéressant de voir aussi comment la voiture va marcher, si le public va suivre et tout, parce que... Évidemment. Vous avez une obligation en tant que Porsche de faire la meilleure sportive, donc vous avez des respecter le comment le public de Porsche va suivre. Quoi. Je ne parle pas au lancement, parce que c'est toujours non, les fans, mais de suivre l'évolution. Jusque-là. C'est beaucoup de choses dans une seule et même voiture. Oui. Merci beaucoup pour ces quelques mots. C'est très agréable. Merci de nous avoir donné ce temps, parce que ce n'était pas évident de monter dans les voitures. Julien ? Par contre, il faut qu'il fasse attention. Là, tout ça, c'est bon, c'est la Taycan. Ouais. Et dans le CO2, je ne sais pas pourquoi... C'est la 911 GT3 RS. Parce que je me dis, putain, mais pourquoi elle consomme 12 litres, 8, 4... Elle a 300 grammes de CO2. Ils n'ont pas mis la tu bonne... Tu vois, même chez Porsche, ils ont besoin de spécialistes. Des longueurs en 4,96, t'as l'œil. Bah ouais, il m'a dit que c'était plus que 5 mètres. Mais bon, voilà. Bon, bah voilà. On l'aura un jour, la Taycan, ouais, je sais faut que... faut essayer. On fera Là, j'avais envie de faire monter les gens dans la voiture. Chers petits observateurs, on est à Bruxelles, au salon de l'auto. Et on est devant l'Aston Martin DBX, qui est leur premier SUV. Et pour une fois, je vais être un peu mercantile, mais il se trouve que on est le 10 janvier, un truc comme ça, le 9. Et il y a 3-4 jours, il y a eu dans toute la presse éco ce qu'on appelle un profit warning, c'est affreux comme mot, c'est-à-dire une alerte sur les profits, donc dans la presse économique. Aston Martin, qui valait 4 milliards à son entrée en bourse, n'en vaut plus qu'un milliard. C'est-à-dire, ça vous fait une belle jambe. Parce qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient des marges opérationnelles d'environ 20% par voiture, et ils sont plutôt à 12 ou à 10. Et même le patron d'Aston a dit que 2019 a été une année très décevante, on n'a pas vendu comme on voulait. Alors, ils sont qu'à 5000 voitures et quelques, ils espéraient faire le double. Et au fond, même la Vantage, même toutes ces voitures mythiques, en fait, ne trouvent pas leur public. Et pourquoi je fais cette longue introduction ? Ce DBX, ben, c'est leur espoir. Ils veulent... passer de 5000 voitures à 10 000 avec ce SUV. Et on le voit là en vrai, alors on a su, là on ne trouve pas le responsable pour nous ouvrir, il est un peu perdu dans la partie des Dream Cars, mais c'est une pré-série. Mais bon, on voit les proportions, on voit notamment, il faut toujours quelque chose pour faire parler dans le design, ce bec de canard, vous voyez. Vous savez, Marie Kretschmann, on l'avait interviewé il y a très longtemps. Je ne sais pas si c'est heureux ou pas. Il y a deux approches face à ce genre de voiture. Quand vous apprenez par ailleurs, si on est toujours dans la partie économique, que le Rolls-Royce Cullinan marche très bien, et que pour le coup, ils n'arrivent pas à livrer, que ça a permis de faire la meilleure année des ventes pour Rolls-Royce, et qu'ils arrivent à séduire des gens partout dans les nouveaux pays, on peut se dire que peut-être Aston, avec ce modèle-là, peut séduire les femmes, peut séduire parce que c'est pour vraiment élargir la cible. Vous dire que c'est beau, je vous pose la question. Le problème de marques comme ça, mythiques, c'est qu'on les enferme toujours dans leur passé, que dès qu'elles font quelque chose de nouveau, moi je suis dubitatif.
Maintenant, ce qui est intéressant dans le discours, j'ai lu des interviews des responsables de la marque, c'est qu'ils disent on a vraiment, en fait, la cible, c'est plus le Cayenne, quoi. Ils veulent vraiment une voiture pratique, c'est-à-dire qu'ils veulent quand même qu'on puisse emmener les enfants. D'ailleurs, dans les photos presse, il y avait des photos avec des sièges bébés, il y avait des photos où on voit des chiens de traîneau, ils emmènent plein de matériel. Alors, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas rentrer dedans. C'est un mélange de pièces de Mercedes, notamment sur la console, d'éléments de la DB11. Bon, on voit hein, que c'est très... Il faut que ça soit le show, quoi. Et t'arrives un peu à voir l'intérieur, malgré à travers la vitre. Ouais. Ah ben ça s'ouvre. Happy New Year, you open the car. Attends, moi je pensais que c'était pas ouvert. Mais génial. You're a clever guy. 2 minutes and it's up to you. Ah ouais, c'est important de montrer quand même. Vous voyez ? On retrouve là, l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, on n'a pas le droit, ça y est, il y a quelqu'un qui arrive encore, on est... Si on a le droit. Bon, voilà, il est libre. Et tu vois... Que tu peux prendre. Ouais, je prends tout ce que je peux prendre. Ouais. DBX. Julien, t'as rien dit. Moi, j'essaye d'être intelligent. Il y a de l'Alcantara partout. On sent que ça fait riche. Didier Ric nous a dit c'est à mi-chemin entre un Urus et... je sais plus ce qu'il a dit. Et un Bentayga. Ouais, parce que lui est monté dedans, Didier de l'Argus, qui est très designer. Il disait ils sont entre deux. Moi, je disais, en fait, ils veulent vraiment... suivre le ils veulent taper dans le Cayenne, ils voudraient que les grosses familles riches avec leurs enfants, ils ont fait des photos avec des sièges bébés, ils ont fait des photos mais devant drôle, des chiens de traîneau. Ça, mais j'ai regardé. C'est ouais. 550 chevaux. Ah ben bah, ça reste, là on n'est pas dans l'hybride, hein. T'as un V12, 550 chevaux. Ouais. Ouais. Regarde les petites poignées, tu me fais les petites poignées quand même. Mais enfin, à mon avis, vous vous en foutez, mais ça fait pas super envie, quoi. Mais... Non, par contre, il y a plein de détails qui sont sympas. Qu'est-ce qui t'amuse, ouais. Non, mais on se rend pas compte sur les photos. Et là, c'est quand même vachement... Ouais, non, mais c'est travaillé. Non, mais c'est hyper travaillé. Je pense sur les photos, j'avais pas fait gaffe. Ça c'est passe, là, l'air, ouais. Tu vois, même ça, c'est quand même vachement gros, tu vois. Ça, j'ai presque l'impression que je me dis que ça sera en série. Ça fait tellement... C'est très, très musculeux. Et il y a plein de détails comme ça. Pareil, il y a toutes les ouïes sur l'avant... Ce que je trouve le plus fou, c'est l'arrière. Je sais pas si en termes d'aéros c'est top, mais t'as l'impression qu'ils sont allés juste au bout du truc. Là, ça plonge et là, hop, et ça remonte. Regarde-moi ce truc-là, c'est extraordinaire. Bah, c'est le bec de canard. Ouais, et regarde en dessous aussi, là, hey, là, non, mais franchement. J'allais dire, t'as vu le détail là, ouais. Avec le carbone autour de la canule. Ça, c'est... Mais franchement. Ah, qui est factice. C'est factice, non. Non, mais il y a la sortie, mais la sortie est vraiment dehors, enfin derrière. Je veux dire, ça, c'est pas ta ligne en tant que telle. Elle est un peu plus loin. Elle... Ah, je pensais que c'était la canule en tant que telle sur... Ah, c'est énorme. Bon, j'aime pas critiquer pour ce qu'il est. Ouais, c'est mais... une pré-série. Mais il y a plein de petits observateurs qui n'arrêtaient pas de dire ça. Oui, mais c'est une pré-série. Je sais. Mais c'est vrai que là, j'ai eu peur, tu vois. C'est pas moi, hein. Promis, c'est pas moi. Ouais. Tu vois, mais promis, c'est pas moi. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'ils... Enfin, ils espèrent en vendre 5000 par an. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent le double avec ça. Je trouve ça fou ce marché parce qu'aujourd'hui on a fait une quinzaine de vidéos. T'en as qui sont vers l'efficience. T'en vas le laisser de pas être dans son champ, ouais. T'en as qui sont vers l'efficience. On essaye aussi de tirer des fois les prix vers le bas sur certaines choses. Ouais. Et là c'est fou le tout quoi. 200 000 euros. Non mais c'est très bien. Mais c'est fou en fait dans la même journée. Les différences qu'il y a c'est extraordinaire. Mais moi je miserai pas dessus. Quel que soit le. Je te parle pas de l'effet nouveauté. Hein. Pendant quelques temps t'as toujours les mecs qui veulent la dernière bagnole. Mais. Franchement, moi, c'est dommage qu'ils soient repartis, les jeunes blogueurs. Je voudrais un peu leur avis. Tu vois, écoute, le feu en bas, il est comme dans le T-Roc. Est-ce que ça devient clignotant, tu vois ? C'est dommage parce qu'il y avait eu un prototype DBX que j'avais filmé il y a 2 ans. Je trouvais plus... C'était plus sexy. Mais je la trouve pas laide, personnellement. Non, mais non, c'est pas laid. Mais le problème, on en revient toujours à ce qu'on disait. Il faut... C'est comme ça. Mais c'est pas laid, mais... Peu obèse. Est-ce que tu mets 200 000 euros dans ça ou dans autre chose quoi. Il y a tellement de concurrence. Non, vraiment... pas les moyens, on n'est pas l'acide et tout. Non, mais bien sûr. Mais pas d'avoir un avis. Non, mais c'est pour ça que je parle, bien sûr. Oui. J'arrête pas de me dire... Tiens, c'est marrant d'ailleurs. Tiens, viens voir. On va juste... Puisque tiens, je ne m'y attendais pas du tout, mais il y a le Urus qui, lui, le groupe Volkswagen, qui est totalement... Il y a le Broguin aussi. Il est où? Ah oui. Mon Dieu. Les vrais.
Tu vas bien? Ça va très bien. Vous non, filmez non. pas Vous êtes pas dans le salon. Pas dans le salon, d'accord. Non. C'est dehors. Il y a des multiplats en feu. Avec on des... laisse ça aux collègues. Alors salon, tiens, exactement. Tiens, vous, bah, venez, je vous attends, venez me dire ce que vous pensez du DBX. Ah, moi j'aime pas. Pardon. Allez, bonne journée. Mais oui, justement, mais on essaye de dire possible. Des choses. Venez, venez, il y a des sourires partout. On doit y aller là. Non mais. Tu sais. Aïe aïe aïe. C'est compliqué, hein. Julien, quand il aime pas, il dit c'est compliqué. Et s'il dit. Moi je suis petit, je le sais bien, ça fait 26 ans que c'est comme ça. Mais honnêtement, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, ça fait plaisir. Tu préfères le multiplat? Ah bon, à choisir entre un DBX et un multiplat, bon, je préférerais partir demain en DBX. Après. Alors moi, en déjà... vrai, je suis même pas sûr. Un petit peu quand même. Allez, pour le revendre directement. Après, je trouve quand même un dommage de faire des SUV de partout, tout le monde doit en faire. C'est la mode, faut faire la mode. C'est un peu dommage. Après, pour une marque comme Aston Martin qui a des problèmes en termes énorme. De financement, ouais. effectivement, faire rentrer un petit peu d'argent, je me mets à leur place, ça peut être intéressant. Et deuxièmement, ils ont peut-être pu y donner un côté un peu plus... Ça fait un peu l'Evante ah bah Porsche. C'est un Evante, hein. Le Evante, je le trouve nul, raté, mais véritablement, quoi. Ils se vendent pas, d'ailleurs. Non, mais attends, tu sais qu'ils jouent leur vie avec ça. Ils espèrent en vendre 5000, c'est-à-dire doubler la prod. Bah, là, il y a eu des profits déjà, warning hein. partout. Ça déjà bien, hein. C'est-à-dire ah, a priori, là, les ventes, nous, on a entendu M. Aston tout à l'heure qui disait que ça partait bien. Oui, mais alors ça, les gars, tombez pas dans le panneau. Non, dès qu'une voiture est présentée, c'est presque automatique. Le communiqué de presse pour 3 semaines après, dit rentrer. L'effet nouveauté, ils te disent tous... 5 millions de vendus. Non, mais, ouais, mais cela dit, sur cet effet de 4x4, je pense vraiment que ça va fonctionner. Bah, tu sais, sur le Levant, ils disaient la même chose. Hein. Je te non, ressors mais, les... T'as vu la tronche qu'il a? Ça parle tout seul. C'est normal que ça marche pas. Il est nul. Alors que toi, tu trouves que là, malgré tout, il est plus réussi. Il est plus réussi, même si je le déteste globalement, parce que vraiment Aston Martin, ça me fend le cœur qu'il fasse des SUV en fait. Vraiment, vraiment. Ferrari, j'ai réussi. Je vais avoir mon cœur qui va juste tomber. Ah ouais, ouais, Ferrari va nous faire le coup. Ferrari, je vais faire une descente d'organe. Ah ouais, je vais faire un anévrisme directement. Là, c'est pas possible. Même s'il est bien. Nous sommes actuellement avec Sylvain qui a fait une descente d'organe à l'hôpital Bichat. Nous sommes devant le Ferrari. Je vais lui faire un tilt-duc. S'il vous plaît. Ranimez-moi, j'en peux plus. Ranimez-moi. Après, à voir, essayer. Là, on va essayer le Urus là. Ouais. Si ça se trouve, je suis certain que c'est bien. Je suis certain que c'est. Que mais c'est le problème. Mais non, mais on se le dit tous aussi. Toutes ces bagnoles, elles sont bien. Elles ont pas de défaut. Oui. Mais la question, c'est comment tu fais. Attends, franchement, le Defender, tu le vois, il te donne envie. Ah moi le Defender, je le prends. Toi, moi j'ai signé le bon commande. Hein. Ouais, ah moi j'ai 4, j'en prends. 4. J'en prends 4 aussi. Non mais t'es d'accord, tout tu rentres dedans, Defender, tu fais monsieur subjectivité, voilà. Mais ça existe l'objectivité, c'est pas. Le Defender, ça rien à voir avec ça. C'est bien. Le Defender, c'est on parle de Land Rover, on parle d'une marque qui fait des 4x4 depuis la nuit des temps. Land Rover, c'est fait pour, ils ont conçu un Defender, ils en sont arrivés à l'apogée de ce qu'ils ont pu faire de 4x4 et ça c'est beau. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à foutre là. Eux, ils font des cabriolets, ils font des magnifiques petits berlinettes berlines. Mais oui. Oui, mais ils meurent en faisant ça. Bah, est-ce que c'est en faisant de la merde qu'ils vont vivre? Oui. Non, mais je trouve que c'est pas mal. Mais c'est sûrement bien. C'est sûrement très bien. Le problème n'est pas là, il manquerait plus qu'ils fassent une voiture. Mais on voit bien que ça se joue à autre chose, sur l'envie, sur le fait que c'est exceptionnel ou pas. Et comme on en parlait dans la voiture ce matin, je peux même dans Cullinan que vous avez reçu. Exactement, bien sûr. Le Cullinan W8. Ouais, ouais, d'un sûr, truc, je te parlais dans la bagnole. Dans la voiture ce matin, on discutait de l'intérêt de l'Urus, dans le sens où c'est le SUV, entre guillemets, le plus sportif du marché. Donc, pourquoi en faire un SUV sachant que tu veux du sport? Oui, l'Urus étant la seule exception à mon sens. L'Urus, c'est pas... On va le voir, il est là. L'Urus, c'est pas un SUV, c'est un SSUV. Le vendeur nous l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai... C'est quoi un SSUV? Un SSUV, c'est un super sport. Non, SSUV, c'est juste que... a priori, ça vraiment, tu fais du circuit avec. Enfin, alors que c'est un SUV. Et franchement, non, Pierre, non. Ça, balayette directement. Attends, il va faire une descente d'organe. Plus alors. Tu vas pas faire du circuit avec ça pour le même prix. Ça, oui, si oui, bon, le ça, débat. Si, ça, si t'es bon, le débat, il est fort. Non, mais il c'est est, bien. Il est nana, mais justement. Mais tu vois, c'est. Non, mais ce qu'il y a de terrible avec celui-là. C'est que t'as l'impression qu'il est quand même bien construit, qu'il est l'autre, t'as un peu l'impression qu'il va Ah ouais, mais bon, c'est une très série, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il va s'ouvrir. C'est les clés du blanc. C'est les clés de celui-là ou c'est les clés du blanc? Il y a des gens très bien, merci monsieur. Voilà. Je suis en train de le défendre actuellement. Alors, bah justement, je vois. Non, en vrai, plus tu l'as défendu, c'est dit faut ouvrir. Ouais. Exactement. Non, en vrai, franchement, moi j'aime bien. Voilà, vraiment, je vous présente ma voiture. Voilà. Personnellement, moi j'aime bien quand je m'assois dessus, ce petit cuir. Oui, pardon. Tu me disais dans le Urus, il n'y a pas de plastique. Non, j'ai pas dit ça.
Okay. Jamais ils ont mis un revêtement cuir. Okay. Déjà, voilà. Déjà, ouais, bah, c'est bien plus agréable. Oui, ça c'est le décor, mais quand même. Voilà, donc, un, tu es un. Ensuite, en fait, il faut laisser tourner une caméra entre les deux. Dedans, c'est bon. Dedans, menteur, dans la voiture, tu m'as dit que tu préférais la Bugatti, mais c'est pas vrai. Mais non, mais ouais, de toute façon, c'est un Q7. Et pourquoi faire ça? Je veux dire, autant le DBX, je peux comprendre. Ça s'appelle le débat Villebrequin. Ouais, on va le mettre. Ouais, ouais. Pas mal quand même, hein. Bah attends, en termes de trucs qui s'explosent, là t'es à bord d'un Mirage, t'es à bord d'un Rafale, tu vois, le truc t'ouvre, je démarre le stop, regarde tout ça, il s'amuse. Moi j'aurais vraiment le... Viens, assieds-toi, Moi la véritable question que j'ai par contre, et je vais la poser... Pose-la. Tout à l'heure, c'était la différence entre le mode sport et Corsa. Alors je l'ai vu sur internet, mais en vrai je pense qu'elle est impalpable. En vérité vraiment, entre sport et Corsa, autant en Strada, Sabia, TRNB, on comprend bien la différence, par contre sport, Corsa... Il y a plein de différences. On nous l'expliquera. Je suis sûr que c'est... Vous allez vous faire un run avec ça. Sport, tu fous la gerbe aux enfants en 2 minutes. Encore ça, c'est en 1 minute. Et Corsa, ouais, c'est 10 secondes. Voilà, ouais, tu sais, t'as un petit bouton, c'est vomir en 10 secondes. Ah, là, je pense. En 20 secondes. Je pense que là-dedans, ouais, c'est très bien. Hein. C'est joli, ça, le truc rouge. Non, mais bien sûr que c'est joli. Mais ouais, c'est terrible parce que c'est la différence de finition est quand même frappante avec le. Entre un Q7 et une Lamborghini. Non, avec la DBX. 300 000 euros. T'es pas rentré dans le DBX, faut que tu rentres. Tu as pas un bouton, vas-y. Mets-moi le pied sur le frein, que ça s'allume. Tout ça, là, c'était mon A4. Ah ouais, mais bon, c'est triste, tous ces écrans. Bah ouais. Hein? C'est que les éléments de l'A4. Ah ouais. Même l'intégration. Ah, mais la clé est pas dedans, c'est pour ça. Oui, je sais bien, mais c'est chiant parce que tu montes dans toutes les bagnoles, t'as des écrans noirs devant toi. Ouais, c'est tout le spectacle. Là, attends, mais regarde, voilà. Bienvenue à bord, les mecs. Non, par contre, je suis d'accord. Moi, je le défends juste parce qu'en termes de SUV, je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus réussi. Ouais, non mais c'était, voilà, on peut parler des heures, l'automobile n'a pas fini de nous questionner. Chers petits observateurs, c'est le bonus du salon de Bruxelles où nous sommes, la Polestar 1. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Polestar c'est une division du groupe Volvo, c'est leur version électrique, on avait parlé de la Polestar 2 à Genève, ça avait fait beaucoup de vues, c'est l'anti-Tesla, mais ils avaient présenté en concept ce coupé qui en fait leur grosse berline 90, et c'est génial, ils l'ont fait. Alors, c'est pas commercialisé en France, c'est que pour certains marchés, mais moi, je tombe devant, parce que c'est la voiture du saint, quoi. Et vous voyez, c'est génial, un peu comme les ouvres d'art. Alors, c'est une hybride, en fait, hein. C'est un petit 4 cylindres, je crois. Et alors, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que magie de la... Est-ce que je vais pouvoir rentrer dedans? Oui, oui, avec les... C'est con, on met des ceintures oranges, avec tout de suite, c'est mieux. Alors déjà, dis-moi combien elle coûte. Ouais, tu me l'as dit avant, mais j'ai pas payé. Parce que comme elle est pas... J'ai lu un article anglais, 113 000. Ils sont fous. C'est débile comme prix, mais peu importe. Et ce que j'ai lu, c'est qu'elle était... Alors, grosse surprise, c'est une hybride. Hein. Tu fais 40 km d'électrique, et donc c'est même pas une 100% électrique. C'est rechargeable ou même? Oui, bien sûr. C'est une hybride rechargeable. Mais moi, je pensais que c'était une 100% électrique. Mais ils ont dit, en fait, elle est géniale à conduire. Et c'est rare quand Car Magazine dit ça. Dit elle est plaisante, elle a un châssis. Le cristal. Ouais, ouais, bah tu retrouves en fait complètement le XC90 ou la S90 ou la V, donc voilà. Alors justement, ils disent à ce prix-là, t'attends un petit peu plus. Mais franchement, le côté là, avec le toit en verre, c'est des... Ouais, portière, tu vois, sans montant, oh, ça se baisse. C'est un joli coupé, quoi, c'est parce qu'il est très rare, parce que quand tu veux te différencier, on va dire c'est une voiture de vieux à la rigueur, j'assume. Mais moi, je trouve qu'elle a une belle gueule, t'as tourné autour. Et puis Volvo, c'est quand même... Regarde ça, c'est super light aussi, regarde. C'est pas du tout... Pourquoi tu te marres? Non, mais c'est vrai que c'est beau, hein. Franchement. Moi, ça me... Tu vois, ils ont leur logo à eux. Mais toi, elle te plaît, t'en parles souvent. Ah ouais. Mais je trouve en plus... C'est comme toujours, comme on dit, on aime bien les éléphants blancs, quoi. Bah, une Polestar 1, personne... En plus, c'est pas vendu en France. T'as ça, tu... Franchement, elle a le chic Volvo. Est-ce que ça descend derrière? Non. Moi, je vais assumer de pas bien connaître cette voiture, tu vois, on peut pas, voilà, j'assume totalement. Et ouais. Je savais pas en fait si c'était 4 places ou pas, parce que l'arrière est très fuyant, je croyais que c'était une 2 places. Ils ont réussi à mettre des places derrière, par contre, c'est tout petit. Mais tu m'étonnes. Je savais pas, tu vois. Ouais. Mais elle est magnifique, surpris. Moi, non, je trouve j'adore l'arrière, en fait. Comment ça s'ouvre, là? Ouais, voilà. Mais il l'avait présenté en concept. Bonjour, vous êtes monsieur Volvo, non? Non, du tout. Ah, vous êtes un petit observateur? Exactement. Ah, comment vous la trouvez? Elle est magique. Moi, je la trouve très bien. Ah, bah tu vois. Et ça marche sur commande en ligne, c'est ça? Ouais, et c'est pas vendu en France, par exemple.
C'est que certains marchés, je crois, anglo-saxons, Allemagne, Angleterre. Elle bouge toute seule. Mais je ne pensais pas qu'il la sortirait. C'est la 1, donc la version 113 000 euros, c'est un peu cher. Et c'est une hybride, c'est pas une électrique 100%. J'aime bien. C'est bien. Vous avez quel âge? 22. Bon, bah, 22. Pour le moment, je me disais, c'est les vieux comme moi qui aiment les gros coupés, mais vous en avez trouvé bien. Vous sauvez mon honneur. Mais on va ouvrir le coffre. Attendez, il faut faire un truc. Il y a un aileron escamotable. Non, mais derrière, franchement. Ouais, magnifique. Derrière, c'est... Tu sais, on a l'impression, elle porte bien son nom, d'être au pôle. C'est une Renault Captur. Elle est posée. Elle est... Moi, je la trouve très, très belle. Vous la trouvez belle? Ah, ben voilà. J'étais surpris. Hein? J'étais surpris de cette voiture. Ben voilà, c'est pas moi qu'il faut photographier, c'est la voiture. Elle est, c'est une hybride rechargeable. C'est pas une électrique, hein, faut que j'aille demander, je suis sûr. Ah, loin, pas là. Non, mais... Moi, je l'aime beaucoup. Regarde, franchement, c'est une jolie voiture. Alors, après, c'est trop cher. La raison, pourquoi elle vient pas en France? Je vais être très bonnet, quoi. Mais parce qu'en fait, je crois que tu sais, chacun approche son truc. Alors, ils veulent... Ils testent, ils savent pas. C'est... Regarde, Mercedes, on a appris que le QC, ça se vend pas. Pour le moment, ils se plantent. Ils en ont vendu 50. Tout le monde cherche. Ben, Volvo, intelligemment, s'est dit, bon, on va tester un truc un peu qui sera... Volvo France, plusieurs fois, nous a dit, c'est à peine nous qui gérons. On a très peu d'infos. Et on va tester d'abord les marchés nordiques plus bagnolards, qui ont plus d'argent, pour être franc aussi, un peu dans le luxe. On verra comment ça et après, prend. On verra. Et petit à petit, et pour le moment, elle se vend en ligne, en fait, de toute façon. À mon avis, si tu veux vraiment l'avoir en France, je pense que tu peux l'avoir. Mais, on peut ouvrir le coffre. Elle ne s'ouvre pas. Mais tu vois, moi, j'avais été étonné, la Polestar 2, c'est une autre version, la vidéo, les gens s'interrogent beaucoup. Alors, on avait un designer qui nous racontait un peu le... Mais... Oh, regarde, le tableau de bord, il a changé devant. Le... C'est pas mal là avec le bois dedans et le non? Tu commences à connaître les. Non, mais c'est pas mal et tu te dis. C'est ça, ça le gros des ventes. L'autre, ouais. En fait, ce que je trouve bien, c'est qu'ils l'ont sorti. Ils vont en vendre quelques unités. T'as envie vendre... qu'une Tesla soit aussi bien finie que ça, tu vois. Ouais. Tu ressens un peu le truc où t'as envie. Et c'est bourré de petits détails, c'est vraiment joli. Mais moi, ouais, je retrouve. Je suis voiture donc ça me parle un peu plus. On essaiera juste quand ils sont. Ah, regarde, voilà. Donc là, ça, c'est génial. Regarde. Génial. Ça, c'est top, ça. On a l'impression d'être chez Frankenstein. Tu vois les veines qui apportent le sang. Tu fais revivre le... Regarde. C'est quoi, Jules? Je vais assumer, en fait, le truc. DC charge. Ah, mais t'as vu, t'as les différents trucs. T'as les différents types de charges. T'as la AC, la DC. Ça, c'est pas pour te déplaire. Hein. Non, mais en fait, de toute façon, c'est là. Donc autant le voir un peu comme si tu voyais un joli 6 cylindres ou un 8 cylindres ou un truc, tu vois. Malin, hein. Par contre, y a pas de coffre. Putain. Ah non, mais il a... Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est quoi ? Ouais. Et par exemple, les batteries doivent pas être tout au fond, mais sur une Model 3, on resalue Garage Bagnole Rock'n'Roll, pour monter une Tesla Model 3, c'est une tannée. Parce que quand tu veux la monter bêtement avec un clic, tu peux taper dans ta batterie. Voilà. Ah, c'est là, regarde l'ouverture, tu voulais voir. AC et DC aussi. AC et DC. Ah, et DC comme l'alternatif et le continu. En combo CCS en type 2. C'est beau. Non, mais elle est sympa, ça me plaît qu'elle te plaise. C'est, voilà, c'est... Mets-toi au volant. La Cadillac LNT est bien. Mais là, non, c'est beau, mais on doit défendre l'automobile. 22 ans, cette voiture te plaît, te fait rêver, c'est pas foutu, quoi. Tu vois? C'est vraiment dommage. Que quoi? Qu'est-ce qui est dommage? Qu'elle vient pas en France, quoi. Parce ah mais très très cher. Mais ils l'ont faite. Franchement, c'est pas mal. Tu vois? D'un coup, t'as du monde. Bon, voilà, c'était notre petite... Juste voir. C'était pas comme ça dans l'autre, quand on était... Regarde. Moi, j'adore les couleurs et matières dans les voitures. C'est toutes ces conneries qui m'amusent, moi. Franchement, regarde, là. Regarde la forme aussi. Ils se sont éclatés, là. Chacun y va de son... C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, Pierre, ça lague. Non, ça a l'air d'aller. Enfin, c'est je une sais démo. Pas. Après, c'est une toujours démo. En mode démo, donc... Une démo. Un peu du mal. C'est une démo. Ah, peut-être pas. On va sur Spotify pour voir. Non, c'est pas une démo. Mais ça marche pas. Faut juste appuyer une fois sinon. Tu crois? Voilà. Que t'es fort, mec, il est fort ce gars. On va se faire striker. Tu l'as remis au début. Ah merde. Top. Mais j'ai vraiment l'impression. Bah, de toute façon, c'est Volvo, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Android. Ouais, t'as le Play Store en dessous. C'est vraiment Android. Non, je veux la caméra.
C'est très joli. Là, d'avoir le signe, là... Il est où, là, là bah, regarde, donc, ah ouais. C'est plein de petits détails, je trouve ça top. Polestar, ils sont toujours là, le retour. On est fatigué, là, vous nous excuserez. Ouais. On espère que vous allez tout voir le vendredi. Je ne sais pas comment on va faire. Ça, c'est surtout comment Julien va faire. Pour moi, après, je peux en... Tu vois. Ouais, mais on gagnera même pas de temps. Ouais, on gagnera pas de temps. Ouais. Si vous avez tout vu le vendredi, c'est top. Si vous avez... On va faire une vidéo entière, toutes les vidéos collées, qui va durer, à mon avis, une heure. Si ça passe le samedi, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'on s'est levé à 4h30 du matin. Bah, sinon, après, c'est dans 10 jours, parce qu'on s'en va. On va faire le maximum. Allez.